ಕಥವಾಗದೆ Oui, tout bon, c'est bon, il y a tout. C'est ça, bon, c'est toujours pas 60 FPS, ça viendra à un moment. D'abord, le plus important, c'est qu'on va jouer à Professeur Layton versus Phoenix Wright, double point Ace Attorney, trademark. C'est tout en fait, non, il n'y a pas d'autre titre, hein. Je crois que c'est. Ouais, c'est ça, je l'avais juste, parfait. Alors, épisode numéro. 6 Non, 5 5, oui. Dans l'épisode précédent, je sais, hein, mais on va relire comme ça, ça m'évitera de lire deux fois, bien sûr. Hein? Donc, dans l'épisode précédent, nous étions en train de passer une soirée tranquille à la maison lorsque les chevaliers ont débarqué pour casser l'ambiance. Ah mince, je crois que c'est Maya. Ils n'arrêtaient pas de parler de sorcières et d'un procès de sorcières. On aurait vu mieux comme visite surprise. Il venait d'arrêter Arya pour la conduire au tribunal. Elle était accusée d'être l'une de ces sorcières dont il parlait. Si elle est reconnue coupable, ils la jetteront au bûcher. J'espère vraiment que c'est une plaisanterie. Peut-être. Probablement pas, hein, parce qu'on a vu ce qui est arrivé à la dame d'avant, qui elle était accusée de sorcière, de sorcellerie. Elle a pas fait long feu. Vous l'avez ? C'est pas mal comme blague. Hein. Elle a cramé. Bon, on en était à où? J'en sais rien. Je crois qu'on venait de commencer un deuxième témoignage ou un deuxième témoignage. Donc là, on va attaquer partout, tout simplement. Et vous l'avez vu de vos propres yeux, c'est cela?
Le sceptre est devenu invisible grâce à la sorcellerie. C'est comme ça qu'il a pu échapper à mon attention. Néanmoins, grâce à mes années de labeur chevaleresque, j'ai appris à identifier ce type de charmement, mon bon monsieur. Par exemple, ce matin, impossible de relever ma fidèle épée. Elle s'était volatilisée. Je me suis creusé le crâne pour tenter de m'en souvenir et avant que je puisse dire ouf, miracle, il se trouve qu'elle était tout simplement dans son fourreau. Et toi, Nick, tu dirais que la vie nous joue des tours? Seulement si on parle de ma vie à moi. Donc ça, on l'a déjà vu. Donc oui, tribunal pour sauver Arya, bien sûr, sinon elle va être jetée dans les flammes pour sorcellerie. Il y a eu des petits allers-retours avec Garnett, le procureur, enfin de l'accusation, quoi, en gros. Et l'inquisiteur, plutôt. Et j'ai réussi à mettre quelques soufflets, quelques camouflets, mais ça n'a pas suffi. Toute la bande de brigands, là, des quatre témoins, ils ont continué à faire leur show. Alors la question, c'est... Est-ce que j'ai attaqué tout le monde déjà la dernière fois? Je m'en souviens plus. Je me souviens de sa remarque à lui. On va revoir de toute façon, comme ça, ça me mettra un peu plus dans le bain. Parce que là, comme ça, je m'en souviens plus. Un instant. Le dessin d'audience. En effet, en se basant sur ce dessin, on peut penser qu'elle aurait pu tenir le sceptre. Par contre, en observant le sceptre, on peut voir qu'il y a CP, donc elle n'aurait jamais pu le tenir de cette façon. Objection. Ceci n'est rien de plus que la spéculation. Vous ne pouvez pas prouver qu'elle ne le tenait pas. Spéculation? Mais c'est un fait. Jamais rien n'aurait pu tenir un truc si épais. Ce témoignage est lui aussi rempli de suppositions et d'hypothèses. Monsieur Layton? Vous savez, monsieur Wright, il n'y a pas l'air d'avoir de preuves utilisables sur ce croquis. Ouais, je suis d'accord. Vous avez sûrement raison. La Sayali a disparu des lieux du crime. C'était peut-être une preuve importante? Mais c'est elle qui l'a volé, la Sayale. Attends, mais j'ai pas sauvegardé au bon endroit? J'ai déjà fait ça? Même Biquette aurait pu porter une Sayale si légère. Et on va lui dire comment vous savez qu'elle est si légère, mais... J'ai pas sauvegardé ensuite? Il y a un truc louche, là. Alors comme ça, vous avez vraiment... Ah non, d'accord, on est déjà passé par là. Vous avez vraiment porté cette saille avec vous? Salut, Lama. Je n'accuse personne. Et si, elle a dit clairement qu'elle a volé le lait, regarde. Oh, oui, tout ce qui nous importe, c'est de vendre le lait le plus frais. Vous pouvez comprendre ça, non? Ça, virgule, non. Si quelqu'un avait tombé de la pâte, vous ne l'emporteriez pas chez vous? Mais qui transporterait de la pâte sur soi? Madame Lagneau, je vous conseille de ne plus voler sur les scènes de crime. Pour votre propre sécurité. Tremblote. Veuillez accepter toutes nos excuses, messire, je vous en supplie. C'était de la faute à Biquette, tout ça. Ça, c'est facile, hein. Biquette peut même pas se défendre. Elle aura besoin d'un avocat comme Bibi. Comme on dit, ne fais pas d'une chèvre ton bouc émissaire. Je ne connaissais pas. Exactement. De toute façon, ils connaissent même pas l'ADN et les empreintes digitales là-dessus, donc dans cet univers. Vous n'avez pas vu la Sayale? Du tout. Comme je l'ai fait remarquer, je n'avais aucun moyen de voir la sorcière avant qu'elle ne commette le crime. Mon esprit était aussi serein que le plus calme des lacs tranquilles. Tout comme le jet bleu chassant le ver illusoire. Mes sens étaient en alerte en permanence. Vous êtes tout de même conscient que tous les autres témoins ont déclaré avoir vu Mademoiselle Novella porter cette Sayale. Et alors, après avoir parcouru le long chemin de la vie, tout n'est qu'illusion. Tout sauf le narrateur, bien sûr. «
C'est le dernier témoignage. Pourtant, on dirait qu'il y a un point important à déceler. J'arrive pas à croire que Madame Lagnon a porté cette seille avec elle. Oh, je sais, elle doit faire partie de cette meute de loups qui veulent des choses dans les bois. TG, Luc. Voilà. Merci, Layton. J'ai une nouvelle preuve, mais la question est... Comment est-ce que je vais bien pouvoir l'utiliser? C'est quoi la nouvelle... Ah, c'est la seille. C'est vrai qu'en regardant cette seille, elle a l'air différente de ce qu'il y a sur le dessin, non? C'est peut-être une bonne idée de l'examiner un peu plus rigoureusement. Mais je l'ai examiné. Le problème, c'est que j'ai même pas accès à au dessin, donc je sais même plus à quoi ça ressemble sur le dessin. Je croyais que je pouvais la... Non. Non, mais en fait, je n'ai pas le droit de l'examiner. Je peux vérifier le sceptre, mais la seille... Hop. Très bien, on va revoir le dessin, si ça vous va. Montrez-moi le dessin. Blablabla, oui, on l'a déjà vu. Ce n'est pas la même seille, allez, ça. Je sens qu'il y a anguille sous roche. Ouais. Regardez-moi ça, là. Zoom. Je peux... Ah, merde, c'est à moi de zoomer, c'est vrai. Comment ça marche, déjà? Celui-là? Ouais. Ah, mais je vais faire des bêtises. Après, il va falloir que je remette tout comme il faut. Ok, on va penser qu'on zoome. Hein. Enhance. Je sais plus ce que c'est en français. Enhance. Regardez. Là, ça fait comme un triangle. Si on dessine un truc ici, ça fait un triangle. Vous voyez, hein, enfin, vous, y a pas que moi qui vois ça. Là, en haut, en bas, et zoup, ça ferait un triangle. Ce que je veux dire, c'est que ça, c'est pas solide. Ça peut se détendre. Il y a une torsion. Voilà, il y a une torsion ici. Ok ? Non, mais on s'en fout, Phoenix. Et là, regardez-moi ça. Essayez de tordre un truc pareil. Bien sûr que c'est un complot. Ce n'est pas la même seille allée. On me la fait pas, moi. Qui a menti sur la seille allée? Blablabla, je m'en fous. Oui, Garnet, c'est cool. Allez. Oui, mais j'ai compris que la seille a disparu. Laissez-moi tranquille. Revenons en arrière. Alors... Si l'accusé ne tenait pas la lanterne et le sceptre dans la même main, alors il était forcément dans son autre main. Ne tenait pas la lanterne... Nanana. Excusez-moi, c'est encore le chat qui va sur le plan de travail alors qu'elle n'a pas le droit. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Petite dame là? C'est que t'as pas le droit. Oh là là. Sale gosse. Bon. Ça on s'en fout. Ça part pas de la seille allée. Alors, qui peut affirmer qu'elle n'avait pas aussi le cèpe dans cette main là? Je sais pas. Mais Mickey aurait pu porter une seille si légère. J'ai jamais vu cette seille. Ça, c'est vrai. En fait, c'est vrai qu'il n'a jamais vu cette seille-là parce que ce n'est pas la même que celle qu'a portée Arya. Mais du coup, je présente ça pour quel blabla? Parce que ça, c'est pas un mensonge. C'est vrai, il dit la vérité, il n'a jamais vu cette seille-là. Donc ce n'est pas lui qui dit... Des bêtises. Et le blabla qu'on a eu, c'est avec elle. Accusé de porter une seille allée dans son autre main. Qui peut affirmer qu'il n'avait point aussi le sceptre dans cette main-là? Bon, de toute façon, j'ai plusieurs vies, donc... YOLO, comme on dit. Ça, on s'en fout. Je crois que c'est de façon la seille allée. Ah, c'est peut-être le bon endroit. Tous vos témoignages nous ramènent à la même conclusion. D'après vous... Trois petits points.
Attendez. Merde. Ah, pardon. Bon, je disais. D'après vous, le sceptre ne se trouvait pas dans sa main droite avec la lanterne. Donc, il se trouvait dans son autre main avec la saille à lait. Pourtant, ça ne s'est pas passé comme ça. Pas du tout. Que voulez-vous dire ? Contrairement à ce que les témoins prétendent avoir vu, la saille à lait ne se trouvait pas sur les lieux du crime. En plus, un détail de cette saille devrait vous sauter aux yeux. Observez, le dessin d'audience à nouveau. La saille a... quelque chose d'étrange, non ? Objection. Cette illustration était basée sur les déclarations des témoins oculaires. Il peut donc y avoir quelques divergences. Objection. D'ailleurs, monsieur Garnett... il y a de grandes chances que cette illustration soit moins précise que vous ne le pensez. En fait, elle contient même une contradiction flagrante. En l'observant de plus près, on croirait même que Mlle Novella tenait le sceptre et la saille simultanément. Par contre, si vous regardez la véritable saille, cette éventualité s'envole en fumée. Bien, observons maintenant la véritable saille. Vous voyez cette anse ? Oh, mais c'est impossible ! Mais bien sûr que si, c'est possible. Je dirai pas la suite, bien sûr. Hein. Mais on l'a tous en tête, merci JD. La saille que voici est constituée de deux bouts de bois qui dépassent des deux côtés. Je crois que vous me suivez. Si vous essayez de porter le sceptre et la saille en même temps, disons juste que ce serait un défi considérable. Donc, il est impossible de tenir la saille et le sceptre en même temps. Et comment ? Vous voulez dire que je n'ai pas la bonne saille ? Le lait n'est point matière plaisantée. C'est bien la saille que j'ai emportée. Les témoins ont l'air aussi surpris que Garnett. L'accusé n'aura jamais été en mesure de tenir ces deux objets simultanément. De plus... nous avons déjà établi qu'elle ne tenait aucun sceptre dans sa main droite. Il en résulte une chose. L'accusée Mademoiselle Aria Novella n'a à aucun moment durant le crime tenu le sceptre. Blablabla. Silence ! Silence ! J'exige un silence immédiatement ! Mais que veut dire tout ceci ? Durant toutes mes années en tant que juge, je n'ai jamais entendu un tel argument. Malgré un phrasé si dérisoire, ces mots résonnent avec une force remarquable. Votre honneur, ce que vous venez d'entendre n'est autre que de la logique. Lui, il est toujours là pour faire le mal. Qu'est-ce que tu fais, toi ? De la logique, dites-vous. Comment ont-ils donc ces deux-là ? Ils ont cloué le clapet de Monsieur Garnett avec de simples mots. Quelle folie ! C'est forcément la sorcellerie ! Attendez, vous pensez que ce sont des sorcières ? Ah non, et nous on va pas au bûcher par contre, hein. Aria peut-être, mais nous on est les protagonistes, on n'a pas le droit. Il y a une suite en plus, hein, je rappelle. Apparemment, le concept de logique est étranger à ce monde. Oh lui ! Profitons-en pour les remettre à leur place. À vrai dire, j'ai bien peur qu'ils finissent par vouloir nous envoyer au bûcher nous aussi. Objection. Fascinant. Un chevalier fait parler son épée sur le champ de bataille. Votre argument est tranchant et incisif. Qu'il en soit ainsi. Permettez-moi donc de vous rendre l'appareil. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Monsieur l'apprenti boulanger, il me semble que votre logique n'est point sans faille. Une faille dans ma logique ? D'après le témoignage reçu plus tôt, il a été établi que la lanterne pendait au poignet de l'accusé. Néanmoins, elle l'a fait tomber, d'où les traces de boue. C'est bien ça. Bien que cela soit correct, cela n'a pas forcément empêché l'accusé de faire usage de sorcellerie.
La véritable question est en fait, quand a-t-elle fait tomber le sceptre? Que voulez-vous dire, monsieur Garnett? C'est très simple, votre honneur. L'accusée a jeté son sort tandis qu'elle tenait la lanterne et le sceptre. Puis, elle les a laissés tomber par terre. Je vois. Le sceptre serait tombé après qu'elle ait jeté son sort. Bien sûr, c'est forcément ça. Que répondez-vous, monsieur l'apprenti boulanger? Ceci n'est qu'un avant-goût du chevaleresque savoir de l'Inquisition. Waouh, monsieur Garnett a tranché sa sorcellerie comme un couteau glisse dans du beurre. Exemplaire, on ne s'attendait à rien de moins venant de la poigne de fer de Garnett. Oh, si seulement je pouvais serrer cette puissante main un jour. Cet inquisiteur n'est peut-être pas aussi transparent qu'il en a l'air. Ouais, on dirait bien que c'est le cas. Il y a quelques minutes, il ignorait ce qu'était un débat logique et tout d'un coup, c'est devenu un expert. C'est pas un rigolo, ce gars. Eh bien, honorable témoin, veuillez nous accorder votre aide à nouveau. Veuillez témoigner devant cette cour une nouvelle fois. Narrez-nous ce qui est arrivé en premier, la chute de la lanterne ou l'incantation? Mesdames et messieurs les témoins, vous pouvez maintenant témoigner. Révélez à cette cour l'ordre des événements de ce soir. Mais c'est du foutage de gueule. On a prouvé par A plus B qu'il n'y avait pas de sceptre. Oh là là là, j'ai l'impression d'être un procès politique où tu sais que de toute façon le gars il va jamais se faire avoir quoi. Honteux, quoi. Ça se voit que la personne Ariane Vela, c'est pas Bayrou, hein. Ah. Là, je dis les mots qui fâchent, hein. Bien sûr, la lanterne est tombée sur le sol après l'incantation du sort Flammaris. Et splash. Je peux le parier sur ma petite biquette. Après tout, mes yeux étaient fixés sur cette seyalée. En plus... comment est-ce que vous pouvez être certain que cette lanterne soit tombée juste à cause d'un peu de boue dessus? Mes yeux ne sauraient mentir, j'ai vu la lanterne dans les mains de l'accusé lorsque l'incantation était prononcée. Fichtre! Leurs témoignages vont dans tous les sens maintenant. Ces quatre témoignages, ils sont un peu plus intéressants. Les témoins ont tous vu la même chose, et pourtant, les souvenirs des gens sont souvent vagues et peuvent donc être douteux parfois. Professeur, je pense qu'être persistant et rigoureux suffira à faire tomber leurs témoignages. Mais oui, on peut exploiter leurs souvenirs changeants pour modifier le cours des choses. On les tient, Nick. On va les attaquer si fort qu'ils en oublieront ce qu'ils ont eu au petit-déj. Je me rappelle pas non plus ce que j'ai eu au petit-déj, moi. Eh bien, monsieur l'apprenti boulanger, vous pouvez entamer votre interrogatoire. Merci, monsieur le juge. Ce n'est que le 23e. Un instant. La lanterne est tombée après l'incantation, vous en êtes sûr? Oh, que oui, je suis certainement sûr d'en être certain. J'ai entendu sa voix et puis... splash! Et ce splash était le bruit de la lanterne s'écrasant sur le sol, c'est ça? En effet, c'est évident. Vous voyez. Mais si on regardait la lanterne, vous pourrez voir que le verre s'est brisé. Vous êtes certain d'avoir entendu ce splash? Je pensais plutôt que vous auriez entendu le son d'un bris de verre. Le son d'un bris de verre? Non, j'ignore ce à quoi vous faites allusion. J'étais en fait quelque peu éloigné de la scène du crime. Je n'ai pas souvenance d'avoir entendu un tel bruit. Pas souvenance? Précisément. Sachez que je peux ouïr un chien aboyer à l'autre bout de la cité, alors ne me sous-estimez pas. C'est pas le cas du cas, papy. Il n'y a rien à tirer de ce témoignage. Le témoin accompagné d'une chair peut maintenant témoigner.
Oui, vous parlez de nous. Il nous a fait sursauter, hein, ma petite biquette. Un instant. Pourtant, plutôt... Oh, pardon. Pas fait exprès. Pourtant, plutôt, vous avez affirmé que mademoiselle Novella avait la lanterne qui pendait autour du poignet. Pas exactement, nous... Nous n'avons pas dit en être sûrs. Nous pensons que c'était autour de son poignet. Vous pensez ? Oui, tout à fait, c'est exactement ça. C'est un peu comme quand vous sentez le lait pour vérifier s'il a tourné. Et que votre odorat est assailli par ce fétide fumé qui vous prend par surprise. En gros, ça fait cet effet-là. Retenez bien ces mots, madame. Ne prenez pas l'habitude de dérober ce qui n'est point vôtre. C'est pour votre sécurité. Nous sommes désolés, j'ai la faute de Miquette. Oui, ça, on l'a déjà entendu. De mieux en mieux. Peu importe, ce qui est sûr, c'est que nous avons vu cette saillie, hein, ma petite perle. Quant à la lanterne tombée par terre, on n'en a aucune idée, hein, ma choupinette. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Bah, peut-être que la boue se trouvait sur la lanterne bien avant le crime ? Vous avez pensé à ça ? Avant le crime ? Oui, peut-être qu'elle est comme ça depuis la semaine dernière. Après tout, il pleuvait déjà à ce moment-là. Si c'était le cas, savoir si la lanterne est tombée ou non n'a aucun intérêt. Je me trompe ? J'en conviens. Qu'en pense la défense ? J'en dis que vous devriez regarder la lanterne un peu plus attentivement. Vous remarquerez de la boue sur le verre. De la boue sur le verre. Cette lanterne n'aurait pas servi à grand chose. Regardez toute cette boue qui bloque la lumière. Mademoiselle Mortem. Je dirais que votre petite théorie sur cette lanterne est pour le moins vaseuse. Même si j'interroge ces témoins jusqu'au bout de la nuit, ça ne changera pas leur témoignage en quelque chose d'utile. Il faut que je trouve un indice quelque part. Un instant. C'est important, vous êtes certain d'avoir vu cette lanterne. Vous n'êtes qu'un insignifiant petit boulanger. Ce n'est point à vous de me dire ce qui est important. Seule une chose a de l'importance, débarrasser ce monde de l'emprise des sorcières à tout jamais. Pas pour moi. Ceci est bien plus important. Quoi ? Ici, on essaie de découvrir la vérité, monsieur. Et quelle belle hiverne ! C'est très beau d'être une sorcière, je vous le dis. Une sorceleuse. J'irai jusqu'à parier mon adhérence à l'ordre des chevaliers. Écoutez-moi attentivement, jeune apprenti chevalier. Oui, monsieur Garnett. Bien des jeunes gens dans les rangs de la chevalerie partagent votre passion. Néanmoins, vous laissez votre ambition vous aveugler, tout comme une lanterne tachée de boue rend aveugle dans l'obscurité. Et quoi ? Ce type. Effectivement, il a l'étoffe d'un leader coriace. Qu'est-ce que t'en penses, Nick ? T'as remarqué quelque chose de louche ? Ouais. Peut-être. Je crois que j'ai trouvé quelque chose que je peux utiliser. Vraiment ? T'es sûr ? J'en ai entendu bizarre pourtant. J'ai remarqué quelque chose de louche pendant que j'interrogeais ce témoin. Jusqu'ici, aucun autre témoin ne m'avait fait remarquer ça. On dirait que vous avez trouvé un indice, monsieur Wright. Un contre-interrogatoire face à quatre témoins ? Jamais j'ai fait un truc pareil. Peut-être qu'il y a une autre manière de procéder. Il n'est pas superflu de faire confiance à son intuition. Ouais, j'ai compris. Bon, d'accord. On va essayer d'attaquer ce vieillard et de le pousser dans ses retranchements. Un instant. La lanterne est tombée à prendre en compte la compta... Oui, mais ça, on l'a déjà lu. On l'a déjà lu. Blablabla, bla bla, bride vert.
Nani ? Un instant ! C'est ça, juste là. Je me disais bien que ça sonnait louche, toute cette histoire. Hein ? Mais rien de bizarre. Il a rien dit de bizarre, ce vieux barbu grisonnant. Maya, c'est pas le vieillard qui a dit un truc louche. C'est la personne à côté de lui. À côté de lui ? Oh, regardez par ici, professeur. La bergère, elle a vraiment l'air perdue dans ses pensées. Tu as raison. Elle a sûrement remarqué une chose étrange dans le témoignage de ce vieux monsieur. Oh. Mais oui, c'est vrai. Ces contre-interrogatoires se font avec 4 témoins. Nick, on dirait bien qu'on n'est pas les seuls à faire attention à ce témoignage. Tu as raison. S'ils écoutent les témoignages de leurs voisins, ça veut dire que... Vous avez raison, Monsieur Wright. Les témoins font très attention à leur propre comportement lorsqu'ils témoignent. Par contre, ils se trahissent eux-mêmes lorsqu'ils écoutent les autres témoignages. C'est là qu'ils révèlent le plus d'indices. Je vois. C'est un réflexe. Ils ne s'en rendent pas compte. Je vais m'en aider pour retourner la situation en notre faveur. Ça tombe bien, car nous avons là notre première opportunité de tester notre nouvelle technique. Monsieur Wright, puis-je porter votre attention sur l'écran tactile ? L'écran tactile ? Faites glisser la loupe pendant un témoignage, vous permettra de porter votre attention sur un autre témoin. D'accord, donc l'important n'est pas celui qui témoigne, ce sont les 3 autres qui écoutent. On a juste à les surprendre en train de cogiter et à les interroger. T'attends quoi, Nick ? Vas-y, lance-toi ! Et si on essaie d'interroger la bergère à côté du barbu ? D'accord, juste à faire glisser la loupe sur le témoin. Oh ? Passez vite ! Hop, 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 hop ! Excusez-moi, Madame Lagneau. Moi ? Oh, mais nous n'avons plus rien à dire, Piquette et moi. Je savais, je viens de la prendre par surprise. Monsieur Philocrate vient de témoigner et a mentionné le son qu'a fait la lanterne en heurtant le sol. Monsieur Philocrate n'avait pas l'air au courant, mais je me disais que vous aviez peut-être quelque chose à nous dire à ce sujet. Hein ? Eh ben, c'est... Y consentez-vous, monsieur Garnett ? Pouvez-vous répondre à cette question ? Faites comme bon vous semble, madame. Point n'est besoin de faire une formalité. Ouais. Eh bien, nous allons nous expliquer, hein, ma biquette. Pour tout vous dire, nous avons entendu quelque chose. En gros, nous avons entendu le bruit du bruit de verre. Nous en sommes sûrs. Un bruit assourdissant. Ça nous a surprise, hein, ma biquette chérie. Je regardais en direction du bruit, mais à part ces deux brigands et cette donzelle, il n'y avait rien à voir. Il faisait assez obscur pour tout vous dire. Quand le verre a éclaté, la flamme s'est sûrement éteinte. Par conséquent, elle ne pouvait pas les voir. Je pense que nous avons l'essentiel. Puis... oh, pardon. Alors que je scrutais l'obscurité, je l'ai entendu. Vous l'avez entendu ? Qu'est-ce que vous avez entendu exactement ? Mais vous savez, ça, cette chose, j'ai entendu... l'incantation du Sœur Flammarys. Que dites-vous ? Mais... attendez un moment, Madame Lagneau. Oui, votre honneur. Le verre s'est brisé lorsque la lanterne est tombée, et c'est après que vous avez entendu le Sœur Flammarys. Jurez-vous devant cette cour que c'est bien la vérité ? C'est ce que vous avez entendu ? Enfin, je crois... Et mon témoignage, alors ? Que faites-vous de mon témoignage ? Ce fichu Sœur Flammarys a été prononcé... Et c'est ensuite que la lanterne s'est fracassée sur le sol. Je n'ai rien entendu de tel. Jamais eu aucun bruit de verre.
C'est absurde. Tout simplement absurde. Peu importe que la lanterne soit tombée... ou que le verre soit brisé. Tout ceci ne change rien au fait que cette donzelle est une sorcière. T'es d'accord, hein? Ouais, d'accord. Désolé de vous décevoir, mais c'est loin d'être le cas. Ce témoignage ne change pas grand-chose. Vous êtes d'accord, Inquisiteur Garnett? Que veut dire douche-bois? Faisons le tour de ce qu'on sait déjà. Une sorcière doit avoir un sceptre pour jeter un sort. Pourtant... Oh merde, qu'est-ce que j'ai fait? J'appuie sur quelle touche? Ok, c'est bon. Pourtant, aucun de ces quatre témoins n'a vu l'accusé empoigner un sceptre. C'est parce qu'elle l'a fait disparaître grâce à cette formule, l'oscurisme, n'est-ce pas? N'est-il pas? Lorsque les deux brigands ont attrapé le bras de Mademoiselle Novella, la lanterne est tombée par terre. Si elle tenait un sceptre invisible à ce moment-là, alors il serait tombé en même temps que la lanterne. À présent, émettons l'hypothèse que Mademoiselle Novella soit réellement une sorcière. Hypothèse, bien sûr, hein. Pour jeter son sort, il lui aurait fallu prononcer l'incantation avant de faire tomber le sceptre. Par contre, Madame Lagneau vient tout juste de témoigner que... l'incantation du sort Flammaris a été prononcée après qu'elle ait entendu la lanterne tomber dans un fracas de verre. Ah que... Oh... Pardon. Vous comprenez ce que ça implique, n'est-ce pas? Tout cela veut dire que l'accusée, Mademoiselle Novella, sorcière présumée, que vous avez enfermée, n'a jamais pu jeter le moindre sort. C'est pour cela que l'accusée, Mademoiselle Aria Novella, n'est en aucun cas une sorcière. Ah! Ah! Mais... Oh. Alors ça, c'est balèze. Ridicule. Vous rendez-vous compte de ce qui sort de votre bouche? Vous la pensez vraiment innocente? Ah, du grand n'importe quoi. Voilà ce que je dis. À croire que personne n'a écouté mon témoignage. Si. Mais vous vous trompez, il n'y a jamais eu de prix de verre. Me traites-tu de menteuse, ma petite? Alors que tu n'as même pas remarqué la boue sur la lanterne? Et toutes vos allégations sont là ridicules. Oh, chut! Prenez votre épée de bois et allez mimer vos joutes, monsieur l'apprenti chevalier. Témoin, vous êtes dans l'enceinte d'un tribunal, pas dans un terrain de jeu. Dois-je vous rappeler l'importance de ce procès? Les sorcières et leur sorcellerie menacent notre belle labyrinthia. Vos propos décideront du sort de tous nos concitoyens. Comprenez-vous? De ce fait, ce tribunal s'attend à ce que chacun d'entre vous prenne ceci au sérieux et témoigne avec honnêteté. Voilà, voilà. Durant ma longue carrière de juge, jamais je n'ai été témoin de tel comportement. Oh, ces comportements affectent sérieusement la crédibilité de vos témoignages. En effet, votre honneur. Alors, voici une brochette de témoins bien pitoyables. Je vois. Apparemment, ce procès est dans une impasse. Hein? Eh ben, ça doit vouloir dire que... Tout à fait, vous avez gagné ce procès, monsieur Wright. On a gagné. Une telle situation est assez difficile à concevoir. Je ne voyais pas ce procès se résoudre avec autant de retournements de situation. La crédibilité des témoins étant pour le moins douteuse, je vois aucune raison de continuer ce procès. Qu'en dites-vous, monsieur Garnett? Vos désirs sont des ordres, votre honneur. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont quand même pas laisser cette sorcière se promener librement dans la cité. Sortilège! Sans cette sorcière et ses complices... Un instant!
Attendez une seconde, ce procès est loin d'être terminé. En tout cas, pas avant que je témoigne. Qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Silence! Silence! Qui est cette personne? Oyez, me voici! Vous voulez savoir qui je suis? Qui je suis? Eh bien! Je suis celui que vous attendiez tous! Je suis le cinquième témoin de ce procès! Je suis bourré! Hein? Quoi? Comment? Même l'inquisiteur. Excellent. J'avais bien ce que je pensais. Sans moi, ce procès serait passé aux oubliettes. Allez, les amis, on se regroupe. C'est l'heure de la réunion stratégique et que ça saute. Mais qui êtes-vous donc? Heureusement que vous nous avez rejoints. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Nous n'avons plus le choix. Tous à vos armes. Nous devons combattre le boulanger et ce vendeur de chapeaux. J'arrive pas à y croire, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il semble qu'un nouveau témoin soit arrivé à la barre. Il vient d'être quelque peu excentrique. Ah ouais? Ouais, j'imagine. Ce procès est loin d'être terminé. Excellent, la piquette derrière. J'adore. Excellent. Très belle touche. À suivre, bien sûr. À suivre tout de suite, hein. Il est quand même 21h40, je ne vais pas vous faire planer le doute. On va continuer ce tribunal des sorcières. Chapitre 2. Eh bien, nous allons poursuivre le procès dans l'affaire Aria Novella. Ouh là là, c'est la première fois que je vois des témoins se concerter avant de témoigner. Qui est Sir Garnett? Puis-je vous poser une question? Bien sûr, votre honneur. Il y a maintenant 5 témoins à la barre. Ceci mérite une explication. Comment se fait-il que cet odieux personnage ait été écarté de la barre des témoins? Le chauve a raison, Garnett. C'est pire qu'un coup de poignard dans le dos. La raison est simple, votre honneur. J'ignorais jusqu'à l'existence de ce témoin. Hein? Cher monsieur... Vous ne vous êtes pas présenté à la cour quand nous avons rassemblé les témoins pour ce procès. Où vous cachez-vous? C'est parce que j'en savais rien du tout. J'ai vu de sortir la nuit, sauf peut-être pour aller à la taverne de Jane. Ouais. En gros, il a passé sa nuit à boire comme un trou. Bref, tout ça s'est vu passer pour ce que j'en ai à faire. Le reste est entre vos mains. Lors du tout dernier interrogatoire, la défense a présenté des preuves plus que surprenantes. Notamment le fait qu'il y a peu de chances que l'accusé ait utilisé quelque sorcellerie que ce soit. J'avoue que je n'ai jamais été confronté à de telles allégations. C'est certainement le fruit de cette... logique. Des âneries en broche. La logique, hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Une auberge? Une taverne? Tout ce que je sais, c'est que ce boulanger, bref, il a qu'à retourner à ses fourneaux. Il y a toute la classe d'un seigneur. L'ancêtre, tu vas nous laisser témoigner à la fin? Tu veux savoir comment cette donzelle s'est débrouillée pour tenir le sceptre, c'est ça? L'ancêtre? C'est à moi que vous vous adressez? Comme tutoyant par-dessus le marché? Je ne vois point d'autre personne âgée dans cette enceinte. Vous allez voir que c'est bien une sorcière. Mais j'irai jusqu'à parier le blanc pelage de ma biquette. Regarde. Eh bien, les amis, on y va. Oui, très bien, poursuivons les témoignages.
J'ai complètement perdu le contrôle de la situation. Le mystérieux sceptre. C'est clair comme de l'eau de roche. Harry est une sorcière. Nous y croyons tous fermement. Elle ne tenait point encore le sceptre lorsque la lanterne est tombée par terre. Elle a dû prononcer une incantation qui l'a fait disparaître, puis elle l'a sûrement porté sur son dos. Les brigands ont saisi sa main, celle qui tenait la lanterne. Elle a trouvé un autre moyen de le transporter. Et c'est facile à deviner. Cette fille a dû poser la seille à l'aide sur le sol pour ramasser le bateau magique. Donc, si le sceptre se trouvait dans son dos, ça veut dire qu'elle a posé la lanterne et empoigné le sceptre subséquemment. Si tel était le cas, il nous faudrait conclure qu'il est possible que l'accusé ait fait usage de sorcellerie. Quelque chose m'échappe, là. Ça sent le roussi. Je peux remercier ce vieillard éméché. Grâce à lui, tous les témoins redoublent de motivation pour faire condamner Arya. Ils sont tous horripilés par les sorcières et leurs incantations. C'est pour cela qu'ils sont tout d'un coup tous si sûrs que Mademoiselle Novella est une sorcière. Et pourtant, une telle assurance ne peut que troubler leur bon sens. Ouais, vous avez sûrement raison. Ça m'étonnerait que ces gens veuillent vraiment faire du mal à qui que ce soit. Ils sont tellement remontés contre moi qu'ils ne savent plus ce qu'ils disent. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Ça présagerait un bon professeur. Les témoins ne réfléchissent même plus, ils occultent tous la vérité. Monsieur l'apprenti boulanger, ou devrais-je dire, Monsieur Wright. Oui. Vous semblez être bien plus qu'un simple boulanger. D'autre part, vous n'êtes pas non plus un avocat ordinaire. À ce jour, aucun avocat n'a réussi à m'affronter d'égal à égal sur mon champ de bataille. Monsieur l'apprenti boulanger, l'issue de ce procès n'est point encore déterminée. S'il subsiste des doutes dans votre contre-interrogatoire, je n'hésiterai pas à maltraiter votre plaidoirie. Pas de problème. Veuillez entamer votre interrogatoire. C'est ce que je veux faire. Contre-interrogatoire. Mais ça, c'est même pas une déposition, c'est... Il n'y a pas de preuve tangible. Un instant. Vous y croyez fermement. Certes, Arya est une sorcière. C'est notre histoire et on s'y tiendra. Mademoiselle Mortem, vous êtes dans un tribunal. Les histoires ne nous intéressent pas, seuls les faits importent. Vous voulez savoir ce que j'en pense ? Je pense que les histoires peuvent affecter nos vies de façon remarquable. Où est-ce que vous voulez en venir ? L'an passé, j'ai lu un livre qui racontait comment une fille avait acheté la paix dans le monde en vendant des fleurs. Depuis cette histoire, je me dis, Rose, un jour, le monde entier sera recouvert de tes sublimes fleurs. Cette histoire me pousse à vendre plus de fleurs, un peu comme ce qui se passe dans ce procès. Quelle histoire touchante! En effet, j'atteste qu'il n'est point d'histoire plus authentique. Êtes-vous d'accord, monsieur l'apprenti boulanger? J'aurais préféré une histoire en rapport avec cette affaire, mais c'est peut-être moi qui fais le difficile. Bah, elle enjolive rien du tout, elle raconte des histoires, mais on s'en fout, nous. J'ai bien peur que notre logique ne fasse pas l'unanimité en ces lieux. Nous ferions mieux de passer au prochain témoin. Un instant. On a beau vous demander, vous maintenez que vous n'avez pas vu de sceptre, hein, papy ? Laissez-moi vous poser une question, Genot. Étiez-vous concentré durant ce procès ? Bah oui. Eh bien alors, le sceptre... Pardon, a disparu grâce à de la sorcellerie, n'est-il pas ? Donc, mon âge avancé et ma vision trouble n'ont rien à voir avec quoi que ce soit. Ce sceptre a littéralement disparu. Non, c'est pas ce que je voulais dire.
S'il avait vraiment disparu, nous n'aurions aucun moyen de le prouver. Non. Nous pouvons le prouver. Cette fille d'une sorcière, la voilà, la votre preuve. Donc, mon âge avancé, ma vision trouble n'ont rien à voir avec quoi que ce soit. Le sceptre a disparu comme par magie. Ça va, on a compris. Vous affirmez qu'elle n'avait pas encore le sceptre en main quand la lanterne est tombée. Ce qui veut dire... Voilà. Petit segue vers le blabla suivant. Elle cachait le sceptre derrière son dos. Vous voyez bien ma petite boule de neige. Quand elle devient trop lourde, je l'attache derrière mon dos pour la porter. Vous parlez de votre chevreau, c'est ça? Oh que oui! Il n'est point de chèvre plus mignonne dans cette salle, hein, ma belle? Oh... On vous l'a déjà demandé, mais vous n'avez pas vu le sceptre, c'est bien ça? Non, mais on a dû utiliser un sort pour le rendre invisible, et puis elle l'a porté sur son dos. Biquette est un tout petit être, vous savez, on la remarque à peine quand elle est sur mon dos. Et un commentaire futile de plus? Donc, l'accusé a bien saisi le sceptre après avoir fait tomber la lanterne. Vous avez un souci? Comment? Pourquoi donc? Pourquoi? Peut-être parce que vous vous cachez derrière un bouclier, je présume. Bien vu, apprenti boulanger. Vous avez percé ma technique barrière d'acier. Barrière d'acier? Vos paroles ensorcelées ont déjà tenté une fois de pervertir les profondeurs de mon esprit. Mais votre porose ne peut rien faire face à mon bouclier. Il est taillé dans un bois plus dur que l'acier. Et maintenant, en garde. Attaquez si vous en avez le courage. Barrière de conneries, hein. Hop. Et voilà, plus de problème. Non. Écoutez-moi juste un instant. Cherche cette illustration, on peut facilement voir que l'accusé ne pouvait pas tenir le sceptre et la lanterne simultanément. Monsieur témoin, expliquez à cette cour comment l'accusé aurait réussi à tenir le sceptre. Il me saoule. Elle a posé la seille à l'épée par terre. Oui. D'ailleurs, en disant ça, elle n'aurait aucun problème à tenir ce machin. Objection. Pourtant, aucun autre témoin n'a déclaré l'avoir vu poser cette seille par terre. Et en tout cas, personne n'a déclaré ne pas l'avoir vu poser ce truc, je me trompe. Il y a du monde qui réfléchit là, hein. Excusez-moi, monsieur Constantin. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez du témoignage qu'on vient d'entendre? L'accusé aurait posé la seille par terre. Bizarrement, les autres témoins n'en ont jamais parlé. Ça me fait penser à une seule chose. Une technique de combat vital pour tout chevalier. En tenant l'épée d'une main et le bouclier de l'autre. Il arrive que des abysses s'élèvent. Une démangeaison interminable qui vous torture le dos. Et que fait-on dans ces cas-là? Que peut-on faire? Eh ben, je vais vous le dire. Vous posez votre épée et vous vous débarrassez de cette démangeaison avec un grattage stratégiquement placé. Pourquoi j'ai jamais pensé? Une sorcière compétente ne serait sûrement pas étrangère à ce procédé, si. C'est ma technique certifiée. Je l'appelle le grattage arrière-justicier. De mieux en mieux... Au fait, attention quand vous l'utilisez en combat, les adversaires ne vous laissent guère le temps d'enlever votre armure. Merci pour ça, monsieur Constantin. Je n'ai pas d'autres questions, votre honneur. Ce monsieur Constantin prend vraiment son délire de chevalier au sérieux, hein. Retour à la case départ. Ok, donc c'était pas le bon. Blablabla, on s'en fout.
Voilà, entrée attaque, toi. Et puis ça sera Madame Rose. Bla bla bla. Bla bla bla. Nani ? Excusez-moi, mademoiselle Mortem. C'est vous. Qu'est-ce donc ? Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez du témoignage qu'on vient d'entendre ? L'accusé aurait posé la seille sur le sol. Personne ne l'a mentionné jusqu'ici. Mais c'est vrai, vous avez raison. C'est étrange. Tout le monde a oublié, on dirait. Moi y compris. Hein ? Mais oui. Raya a forcément posé la seille par terre. Comme ça, elle a pu attraper son sceptre plus facilement. Simple, non ? Quelle toupée ! On dirait qu'à chaque fois qu'elle ouvre la bouche, c'est pour accuser Arya. Je sais pas combien de temps je vais pouvoir supporter ce témoignage. Je comprends pas. Il y a eu un truc en plus ? Je sais pas, je vais le réattaquer, on va voir avec les autres, mais... Ou alors il faut que je le refasse une autre fois, mais ça paraît louche. Alors ce qu'en pensent les autres. Excusez-moi, Madame Lagneau. Vous voulez parler de nous ? Biquet et moi ? Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez du témoignage qu'on vient d'entendre ? L'accusé... Ah oui, bon, ça on l'a déjà lu 20 fois. Ah, ça a dû se dérouler comme ça. Cette donzelle a sûrement placé la seille sur le sol. Objection. Madame Lagneau, vous n'avez rien déclaré de la sorte dans votre précédent témoignage. Plutôt, vous avez déclaré que vous étiez surtout concentré sur la seille allée en question. Donc, vous êtes sûrement en mesure de confirmer si la seille était posée ou non par terre. Objection. Personne n'a une mémoire à toute épreuve, monsieur l'apprenti boulanger. Fais attention aux déclarations des témoins. L'accusé a sûrement posé la seille allée par terre, c'est une possibilité. Oui, c'est exactement ça. N'est-ce pas, une petite couverture de laine ? Oh... J'en étais sûr, quelque chose de louche se cache derrière ce témoignage. J'en conviens. Nous avons grand besoin d'une preuve décisive. Cela nous aidera à exposer les contradictions dans ces témoignages. Ouais. Il faut que je trouve quelque chose. Allez, rebelote. Ploup, 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 on va parler au vieux ensuite. Oh non ! Oh, le misclic ! Ça me fait perdre un de ces temps fous. Allez, c'est fini, je vais pas être World Record. C'est dommage. Le speedrun qui tombe à l'eau après 8 heures. Un instant. On a plus qu'à recommencer. Objection. Allez, allez, on se dépêche. Hop, 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 hop. Hein ? Alors, papy ? Monsieur Philocrate ? Qu'est-ce donc, ô turbulent garçonnet tout double vêtu ? Blablabla. Laissez-moi vous dire quelque chose, jeune homme. J'ai vécu une vie longue et prospère. Beaucoup de choses ont été oubliées, des rêves, des aspirations, et même des amours. L'emplacement d'une seille allée n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan qu'est mon existence. Merci pour votre aide, monsieur Philocrate. Je n'ai pas d'autres questions, votre honneur. Je comprends toujours rien à ce qui sort de sa bouche, Nick. Bon, moi, ça ne servait à rien. Alors, qu'est-ce qu'on présente ? Pardon. Poup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 
Il n'a même pas décliné son identité. On n'est même pas censé le présenter, l'avoir dans le banc des témoins, ce guignol. L'accepter, c'est ça que je cherchais. De cette façon, on s'en fout, ça ne nous apprend rien. Elle ne tenait point encore le sceptre lorsque la lanterne est tombée par terre. Ok. Prononcer une incantation qui l'avait fait disparaître puis l'a sûrement porté sur son dos. Rien à dire. Les brigands saisissent sa main, celle qui tenait la lanterne. Mais dans ce cas-là, elle a plus de main libre pour prendre son bâton. La fille a dû poser la saillie sur le sol pour ramasser le sceptre. Mais je peux pas montrer le dessin. Sur le dessin, il y a marqué... Il y a marqué que les deux bandits lui tenaient les mains. Ça n'a pas de sens. Pourquoi vous racontez des bêtises? Quelle horreur. Qu'est-ce qui vaut un présentage de preuves là-dedans? Ouais. Satan, il a volé la saillie à tous les coups. Elle a posé la saillie sur le sol pour ramasser le bâton magique. Après, ce que nous a fait apprendre ce petit guignol, c'est que ça a choqué les autres. Je vais le refaire pour voir. Blablabla. Aucun témoin n'a vu poser assez par terre, ouais. En tout cas, personne n'a déclaré ne pas l'avoir vu poser ce truc. Personne n'a déclaré ne pas l'avoir... Oh, les doubles négations. Non mais il faut arrêter un moment, hein. Ça se fait plus, ça. Même en 1400 et quelques. Oh, quelle horreur. Personne n'a déclaré ne pas l'avoir vu. Elle va dire on a tout... Non, c'est elle qui va dire on l'a tous oublié ou... Je sais plus. Je continue avec lui. Ouais, mais... Voilà. Pire, c'est un petit détail qui a échappé aux autres, c'est tout. Et comme mon vieux père disait, doute jamais d'un témoin et toc. Ah, on peut continuer sur les autres blabla. Excusez-moi, Madame Lignot. Oui, bon, blablabla. Ah non, mais on revient sur le même truc, ça, en fait. Objection. Là, on peut plus rien présenter, de toute façon, ouais, ok. Là, elle va dire, oh lol, on a oublié. Ça arrive à tout le monde, hein, franchement. Objection. Ouais, mais je n'ai pas de preuves. Quelle est-elle? Oh, chute, toi. Quelle est la preuve en question? Ouais, d'accord, elle a une faible vue. Je ne sais même pas si j'ai utilisé la preuve des lunettes. Tu vas voir qu'il... Faut l'accuser du sort oubliette. Parce que leur témoignage est troué. Bref, ça m'étonnerait même pas. Le truc louche, c'est que... Il y a un sort pour disparaître. Un sort pour le feu. Mais il est où le sort pour apparaître, hein? Oscuris.
Si ça se trouve, c'est pas la même gemme. Ça s'est pas montré. Parce que là, ce bâton, il a que deux gemmes différentes. Rouge, blanche. Mais en l'absence du sort Oscuris, on ne peut pas savoir si ça utilise aussi cette gemme blanche ou pas. J'aurais bien aimé le savoir. Mais bon, on n'a pas le droit apparemment de feuilleter ce bouquin. Je continue de parler à l'autre parce qu'avant j'avais continué à discuter avec d'autres gens. Je vais voir ce qu'il me dit jusqu'au bout, lui. Bla bla bla. Ah bla bla. Ouais, les gens sont choqués, hein. Voilà. Bien, c'est juste un petit détail qui est chopé aux autres, c'est tout. Ah bla bla bla, il toque. Oh, je suis persuadé, cette sorcière a déposé à ça et ensuite a utilisé le sceptre. J'ai totalement oublié comment j'ai fait sa voix, c'est horrible. Si tout s'est passé comme cela, alors peut-être avons-nous là un soupçon de vérité. Ok, donc ça ne sert à rien. Quelque chose ne colle pas. Oui, bon, ça on l'a déjà vu. Ils peuvent piailler sur ce sceptre invisible tant qu'ils veulent, mais je ne laisserai rien passer. Je pense que vous avez raison, M. Wright. Nous allons devoir trouver un indice qui pourra nous rapprocher d'une autre incohérence de leur témoignage. Vous avez raison, et je pense que M. Personnalité Envahissante est la clé de cette stratégie. Je vais de nouveau interroger ensuite Madame Mortem, parce qu'il me semble qu'elle avait dit quelque chose d'intéressant. Ah, Madame Mortem. Blablabla. Bla, bla. Mais c'est vrai, vous avez raison, c'est étrange. Tout le monde a oublié. Moi, y compris. Ah, et là, je peux continuer de parler à quelqu'un d'autre. Passez vite. Excusez-moi, Madame Lagneau. Avez-vous un commentaire à faire sur le témoignage que l'on vient d'entendre? Eh oh, Madame Lagneau. Mais... On dirait qu'elle n'a rien à dire. Pas comme sa chèvre. Il me tire la barbichette. C'est chiant ça, moi je pensais tomber sur quelque chose de cool. Attendez une minute. Oh, j'ai encore mis clic, mais quel idiot. Bon, bla 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 bla. Un instant. Bon. Allez, on se dépêche. Il va dire quelque chose qui va être chelou. Mais c'est bizarre, j'ai pas entendu. Oh. Ensuite, donc c'est peut-être une fausse alerte. Allez, on se dépêche. Apparemment, tout le monde s'en fout. Hein. Bah mince! Est-ce que c'est autre chose en fait qu'il faut faire? Parce que moi je sais pas du tout quoi présenter là. Ça s'avère complexe. Où est le problème là-dedans?
tenait point encore le sceptre, parce que la lance est tombée par terre. Soit. Mais ça c'est faux, de toute façon, c'est faux, mais comment je lui dis que c'est faux? C'est la seille qu'il faut montrer? Objection. Non, ce n'est pas la seille. Moi j'ai perdu un bouclier. Bah oui, mais lentement, mais sûrement, t'es marrante, Maya, mais ça fait 5 minutes, même plus, qu'on est là-dessus, là. Moi, je veux dire que non, elle avait ses deux mains prises, elle pouvait pas prendre deux sceptres. C'était pas possible. C'est faux. Ça ne veut pas, le jeu joue contre moi. Mais j'ai dit, il garantit son mauvais pas, donc c'est sûrement que je n'ai pas tous les tenants et aboutissants de l'histoire, probablement. Donc on va essayer de montrer le sceptre. Eh ben, je peux aller me faire foutre, on va faire ça, allez, hop. Oui. Et le 2. Ah, pourquoi tu racontes des bêtises, toi? Objection. Eh ben, 3, du coup, hein. C'est pas lui? Mais c'est qui, alors? Ouais, moi je suis juste avocat, j'ai pas besoin d'être mis en tôle quand même. Bah ouais. Puis quoi encore? Je ne sais pas. Mais ça c'est faux du coup, vu qu'on lui tenait les mains, ça aussi c'est du n'importe quoi. Objection. J'ai bien peur que la situation ne soit pas si simple. Quoi parlez-vous? Merde, comment j'ai fait cette voix à la con là? Hein, comme ça peut-être? Quoi parlez-vous cette fois? C'était même pas ça, j'ai totalement oublié. C'est ouf. J'ai l'impression que c'était la première fois que j'arrivais à faire une voix aussi bizarre. Et ça a disparu. Comme quoi. Petit plaisir. Il s'est arrêté de pleuvoir peu avant l'heure du crime. Oh purée, j'ai eu peur d'avoir fait une bêtise. Tout va bien. Et donc le sol est devenu très boueux. Si Mademoiselle Novella a posé la seille par terre comme vous le prétendez, alors celle-ci devrait être couverte de boue, tout comme la lanterne quand elle est tombée. Pardon. Eh ben, votre témoignage m'a l'air quelque peu vaseux, non? Oh, tu l'as déjà utilisé, celle-là. Une garnette. Pourquoi je fais ça, moi, non? Que voulez-vous? Restez là à faire le bel âtre. Donne-moi un coup de main, parmi. Me flatter ne vous mènera à rien, Marot. Non, pas peut-être à vous montrer la route du donjon. Quoi qu'il en soit, nous devons nous poser cette question. Pourquoi n'y a-t-il pas de boue sur cette seille allée? La dame accompagnée du chevreau. Puis-je vous poser une question? Hein? Vous adressez à nous? En effet, vous avez avoué être rentré chez vous avec cette seille allée. Illégalement de surcroît. Oh là là, que vous êtes dur envers nous, monsieur Garnett. Quand vous avez pris possession de cette seille,
Vous avez essuyé la boue qui se trouvait dessus, n'est-ce pas? Oh, le salaud. Ma foi, maintenant que vous le dites... C'est pas vrai, ne me dis pas que... Cette seuille allait... Voilà, je me souviens maintenant. Je ne saurais vous dire si elle était recouverte de boue ou d'autre chose, mais en tout cas, elle était sale. Je me souviens l'avoir entièrement nettoyée à l'aide d'un vieux chiffon en arrivant chez moi. Vous plaisantez ou quoi? Quel travail exceptionnel, monsieur Garnett. Oui, voilà, tout s'éclaircit maintenant, vous voyez? On avait raison, n'est-ce pas, monsieur Garnett? Je savais que cette épée ne servait qu'à faire le beau. Ne servait pas qu'à faire le beau, Garnett. Et vous avez découpé son argument en petits morceaux. Objection. Hop, 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 hop. Madame Lagneau. Qu'y a-t-il? Vous êtes absolument sûr qu'il y avait de la boue collée sur la seille? Pour tout vous dire, je ne m'en souviens pas très bien. En tout cas, je me souviens bien l'avoir nettoyé en rentrant. Oh. Il semblerait que la défense n'a pas trouvé de contradiction dans les témoignages que l'on vient d'écouter. C'est sans appel. Ah bon? Oh, c'est à prendre à le bleuver. Alors, comme bien que ça se passe. En moins de service, l'ancien. Faut que je change mon témoignage juste un peu. Il va tout foutre en l'air, là. Je ne me permettrai que je vous arrête d'insulter les personnes présentes dans la salle. Compris, lance, votre honneur. Pistre, ton cher con judiciaire m'a donné une petite soif. Je me sers comme une... Je me sens comme une bête assoiffée. Eh ben. Cette sorcière juste là. Il tenait le sceptre, j'ai même entendu son incontat truc. Ouais, j'ai tout vu. Sans doute tout ça aura une raison d'accuser Arya. Ils ont autre chose en commun. Ils pensent vraiment qu'Arya est une sorcière. Si nous pouvons contrarier cette idée, ils n'auront plus la volonté de se regrouper. Ils n'auront alors pas d'autre choix que d'accepter la vérité sur les événements de cette soirée-là. Après tout, ce sont des témoins et en tant que tels, ils ont forcément vu ce qui s'est passé. En gros, on doit être très attentif à leur réaction ainsi qu'à leur témoignage. Ça veut dire que vous devez scruter les témoins? Nous comptons sur vous, monsieur Wright. Mais putain, Luke, je sais jouer, quoi, quand même. C'est quoi ce babysitting, là? Honteux. Je dois faire éclater la vérité d'une manière ou d'une autre. Oui, bon, ça, on a déjà vu. Blablabla, blablabla, blablabla. Bla, bla. Voilà, allez hop, on recommence. Pourtant, personne n'est certain d'avoir vu Mademoiselle Novella faire tomber la seille allée. Parce que la boue en question n'existe plus. Est-ce bien ce que vous avancez? J'ai jeté sur le sujet. C'est cette femme chèvre que je suis à vous. Et pourtant, Madame Lagneau ne se souvient pas si bien... si c'est bien de la boue qu'elle a essuyée. J'en souviens plus très bien, mais... peut-être que... bref, j'imagine qu'il devait y avoir de la boue, car je doute qu'elle ait pu tenir le sceptre sans poser la seille par terre. Madame Lagneau, donnez-nous une réponse claire et définitive. Ouais, pas fini, Bleuie. Tu veux dire, tout ce qui te chante, ça n'aidera pas à t'en sortir. Je suis bourré. On a tous vu que sa sorcière a fait, c'est clair comme le droche. Ah bon? Il y en a un qui a un doute là, hein. Passez vite! Excusez-moi, monsieur. La terre à papy. Y a quelqu'un? Monsieur l'apprenti boulanger, quand vous dites
papy. Faites-vous allusion à moi par hasard ? Non, du tout, bien sûr que non, votre honneur. Monsieur Philocrate, vous m'entendez ? Je vous ai entendu la première fois, jeune homme. Ces oreilles entendent tout. Le craquement d'un feu de bois, les murmures d'une foule, sans oublier votre voix. Dans ce cas, permettez-moi une question. Vous étiez en grande réflexion il y a quelques instants. Que pensez-vous du témoignage de cette personne ? J'ai eu cette impression que quelque chose manquait. Par contre, j'ignore ce que cela peut bien vouloir dire. Manquer. Pouvez-vous nous éclairer sur ce qu'il manquait dans ce témoignage médiocre venant témoin lui-même sans mérite aucun? Il plaisante pas ce Garnett. Cinq têtes valent mieux qu'une. 10 yeux valent mieux que 2. J'ai remarqué une chose des plus étranges lorsque j'écoutais le témoignage de cet homme. Quand l'incident s'est déroulé, nous nous sommes tous précipités vers la scène du crime. Tandis que les délicieuses effluves d'un dîner flotté dans les airs, l'ombre des protagonistes dansait au clair de lune. Il n'y avait que 4 silhouettes en ces lieux, moi y compris. 4 ? Une seconde ! Vous êtes en train de nous dire qu'il n'y avait que 4 personnes sur les lieux du crime ce soir ? Ces yeux ont beau être âgés, ils sont certains de ce qu'ils ont vu. Il y a un problème, Madame Lagneau ? Non, Biquette et moi essayons de nous rappeler ce qui s'est passé à ce moment-là. Je me souviens avoir vu des flammes tourbillonner dans les airs. C'est là que nous nous sommes précipités sur le lait. Puis les 2 brigands se sont embrasés et la flamme géante a inondé le bois d'une vive lueur. C'est grâce à cette lueur que nous avons pu voir les autres personnes présentes en ces lieux. Et c'est là que je les ai remarqués, quand nous nous sommes tous précipités vers la scène du crime. J'en suis presque sûr, nous n'étions que 4 en ces lieux d'amener. Objection. Attendez, madame, vous, partout le chevalier, que se passe-t-il ici? Nous avons 5 témoins présents à la barre et tous prétendent avoir assisté aux événements de ce soir. Il y a donc un imposteur parmi nous. Attendez. Permettez, j'ai le truc qu'il faut. Alors, où est-ce que c'est? C'est là, là, là. C'est pas celui-là. Oups. Pardon. Voilà. On peut reprendre. Arrête de dire des bêtises. Pardon. Vous tous, il faudrait mieux attendre votre tour pour parler. Pour tous, tout ce parrain, vous avez oublié ? On était censé s'entraider pour venir à bout de cette sorcière, non ? C'est pas aussi simple que ça. Nous avons vu ce que nous avons vu. En ce qui me concerne, tout est une question de chiffres. J'ai compté quand même, j'ai compté, je vous dis. Sachez que mes calculs sont parfaits et je peux compter les moutons de crépuscule à l'aube quand je n'arrive pas à dormir. Et 4 ou 5 témoins, je ne vois pas du tout ce que ça change. Les choses ont commencé à se dégrader quand vous êtes arrivé ici, espèce de rustre. Mais qu'est-ce que... C'est de ma faute. J'y étais aussi, petite sotte. Qu'est-ce que je viens de dire? C'est ce que je viens de dire, non? Mon témoignage est dur comme l'acier. Quoique je doute qu'il soit inoxydable. Silence, silence! J'exige le silence. Mais que se passe-t-il? Prétendez que le nombre de témoins est incorrect? Jamais je n'ai été témoin d'une divergence si scandaleuse. Il n'y a qu'une seule solution à ce mystère. Une seule possibilité. Que voulez-vous dire?
de la sorcellerie a été utilisée sur lieu du crime, cela ne fait aucun doute. De plus, il n'y avait pas plus de 4 témoins présents lors de l'incident. Et pourtant, 5 personnes témoignent à ce procès. Nous avons là une contradiction flagrante et une seule solution possible. N'est-ce pas, Monsieur Wright? Cette solution, ça ne peut pas être... Cessez de tourner autour du pot et révélez votre solution, Monsieur l'apprenti boulanger. Comment expliquez-vous le nombre de témoins dans cette salle? C'est un monde médiéval, oui, tout à fait. Bon, c'est médiéval un peu progressiste, j'imagine. Quoique, avant, ils ont envoyé une sorcière brûlée dans la salle principale où ils sont, hein, ça doit se sentir quand même un peu. Et oui, la sorcière est parmi eux. Ça a peut-être l'air tiré par les cheveux, mais la vérité est un peu plus simple. La véritable sorcière, et pour le coup le véritable meurtrier, est en fait un de ses 5 témoins. Quoi ? Eh oui. Vous voulez dire que l'un de ces 5 témoins est une sorcière ? Je n'ose concevoir. Ridicule ! Une telle allégation est inconcevable. Garnier, t'as raison, t'es toupé de nous accuser de sorcière. Nous avons dit toute la vérité, et même après ça, vous avez du culot de nous accuser de la sorte. Regardez, voyez comment fidèle l'âme dévie les paroles mesquines comme des paroles mesquines. Inquisiteur Garnett. Oui, votre honneur. J'aimerais voir un dessin des environs de la chaîne du crime. En avez-vous un à présenter? Oui, tout de suite, votre honneur, le voici. Pourquoi on l'a que maintenant? Hein? Il se trouve que le dessinateur d'audience en a fourni un à ma demande. Mesdames et messieurs les témoins, veuillez préciser l'un après l'autre l'endroit exact où vous vous trouviez au moment du crime. Aidez-nous, aidez-vous du dessin de la scène du crime et répondez prestement. Il y a un témoin en trop. Enfin, au moins les choses commencent à bouger. On a à peine gratté la surface de cette affaire. Et tout ça grâce à ce gentleman au chapeau. La cour accepte ce dessin de la scène du crime en tant que pièce à conviction. Carte des environs. Un croquis de la scène au moment du crime. Touchez vérifié pour plus de détails. Si un de ces témoins est effectivement la sorcière, ça ne peut vouloir dire qu'une chose, un de ces témoins ment. Nous sommes en atout l'air, Monsieur Wright. Écoutez-moi attentivement, Monsieur l'apprenti boulanger. Vous menez votre plaidoirie vers une zone pernicieuse. Prétendre qu'un de ces honorables témoins est la sorcière est une sérieuse accusation. Si celle-ci s'avérait être erronée... Vous vous retrouverez embroché au bout de mon épée, me suis-je bien fait comprendre? Mais c'est... C'est pas du tout ce que j'ai dit. C'est ce gentleman à haute forme, distingué, qui a affirmé ça, je n'ai fait que répéter. Cela n'a aucune importance. C'est exactement la même chose, monsieur l'apprenti boulanger. Ils ont raison, monsieur Wright, c'est vous qui allez prendre, pas moi. Oh là là... Maintenant, apprêtez votre épée. Apprêtez ? N'écoutez-vous donc pas ? Vous prétendez qu'un de ces témoins est présent sur la scène du crime est le véritable responsable. Si vous dites la vérité, alors pouvez-vous... Pardon. Il n'y a pas d'énigme dans ce jeu ? Non. Non, ça fait un stream et demi, il n'y a toujours pas d'énigme. On fait que du procès, voilà, on essaie de sauver des sorcières ou des pseudo-sorcières. Layton, il a été utile. Je crois. Ouais, peut-être une ou deux fois. Mais sinon, il est juste là pour la déco.
Mais à mon avis, on a bientôt fini. Eh bien, le bonsoir. L'administratif, il y a que ça d'amusant. Ouais, 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 c'est vrai. C'est vrai. La justice, hein. La justice, après tout, c'est... magnifique. Qu'est-ce qu'on ferait sans Si vous dites la vérité, alors... Pouvez-vous révéler à cette cour l'endroit exact où le coupable se trouvait lors du crime ? Parlez prestement, monsieur l'apprenti boulanger. Votre seul... Vous seul pouvez nous éclairer sur l'identité de la véritable sorcière. Éclairer, c'est pas mal, hein, parce qu'on parlait de lampe avant. Monsieur l'apprenti boulanger, montrez-nous l'endroit exact où cette sorcière se trouvait au moment du crime. Alors. Avant ça, il faut que je vérifie quelque chose. La sorcière invoque un pilier de feu à 1 mètre de distance. 1 mètre. On n'a pas la mesure. C'est louche. Parce que moi, j'aurais dit elle. Parce que personne la voit, elle est derrière. Sauf que, 1 mètre, ça, c'est un peu plus qu'un mètre. C'est qui ? Ah, ça, c'est les voleurs. Attends, mais il y a un problème, là. 1 mètre de distance. Mais c'est l'un des deux guignols, alors, en fait, depuis le début. Ils sont mis le feu tout seuls. Mais comment savoir lequel des deux ? Mais non, c'est pas possible. Je dis des bêtises, moi, je fatigue. Ça ne peut pas être un de ces deux-là, parce que c'est l'un des témoins. Mais en lequel ? Le problème, c'est que le grimoire, il dit des bêtises, là. 1 mètre de distance, à mon avis, ça, c'est un peu plus qu'un mètre. Mais bon, lui, il voit lui, qui voit lui. Elle voit lui, qui voit elle. Et à mon avis, elle, derrière, personne ne la voit. Donc elle peut s'adonner à quelques fourberies. Mais j'ai l'impression qu'il fait plus d'un mètre, hein, mais bon. Alors, le hic, c'est que si je me trompe, je me fais shish kebab. Est-ce que je peux sauvegarder ? Ah bah non, il n'y a plus le menu. Eh bah on y va, hein. C'est parti. J'arrive pas... Ah, il faut présenter. Ça paraît logique, hein. Parce que elle voit ces trois-là, mais elle voit pas la petite dame qui est derrière. Bon, c'est forcément elle. De toute façon, une sorcière, c'est féminin, donc... La véritable sorcière est certainement cette personne-là, je crois. Certainement. Cette personne, je crois. C'est tellement nul, là, je trouve d'avocat que tu me donnes soif. Si je peux me permettre, Monsieur Wright, si la sorcière se trouve parmi ce groupe de témoins... Il y a de fortes chances que le témoin en question ne dise pas la vérité. Souvenez-vous-en. Alors, cette sorcière ment, si c'est le cas, c'est que la personne en question n'était pas là où elle prétendait être. Mais quel gland, bah oui. Mais oui, mais bien sûr. Oh. Ok, on reprend. C'était une blague. On n'a pas le droit de rigoler, là, franchement. Pff, oh, la justice. Oui, monsieur l'apprenti boulanger, allez. En effet, il est utile. Voilà, 1 mètre de 10... Mais, j'ai pas cliqué sur présenter. Objection. Apparemment, ça marche, hein. Y a plus de musique, donc... En effet, il est utile, hein. Que voulez-vous dire ? Malheureusement, aucun des témoins n'était en proximité de cet emplacement. Objection. Petit sourire, là. Inquisiteur Garnett, je vous invite à jeter un coup d'œil à ceci. Ou grimoire. Alors, j'emmènerais bien mon Necronomicon, mais il est un peu loin. Et d'après cet ouvrage, la sorcière invoque un pilier de feu à 1 mètre de distance. Bah voilà. Moi, j'étais encore trop crédule à penser que oui, ils étaient bien là où ils avaient mis qu'ils étaient, mais non. J'avais juste depuis le début... Un mètre de distance en jetant le sort Flammaris. Par conséquent, la sorcière se devait être au plus à 1 mètre des flammes pour pouvoir jeter le sort. Objection. Je vois.
N'en dites guère plus, monsieur l'apprenti boulanger. Tout d'abord, vous remarquerez que, mis à part l'accusé, personne ne se trouvait à proximité des victimes. Et ce dessin démontre clairement qu'il n'y avait nulle part où se cacher. Objection ! Ça, c'est de la mauvaise foi quand même. Hein. Exact. Il est impossible de s'y cacher. Néanmoins, il y a un moyen qu'un de ses protagonistes a pu utiliser. Pardon. Il y a un moyen qu'un des protagonistes a pu utiliser pour demeurer à l'abri des regards. Quoi ? Mais les bois juste derrière ? Enfin. Tout ceci est fascinant. Comme vous adorez présenter des preuves, c'est le moment de prouver vos dires. Ah, il me reste plus qu'un seul bouclier. Oh merde. Et je peux plus sauvegarder. Comment cette sorcière a-t-elle pu se cacher de la vue de tous ? Avec un sort, peut-être. Du coup, si tu te tiens toi, est-ce que tu disparais ? Supposons, il faut une main pour... Pardon. Une main pour le sceptre. Et toute chose tenue, si je me tiens comme ça, techniquement, je me tiens. Et je peux disparaître. Parce qu'autrement, comment tu te caches ? Non. Ah, je pense pas qu'une seille allée nous aide beaucoup. Bah, faut, je sais pas, moi, il y a le bois, quoi. Ça paraît cohérent, non ? Mais bon, apparemment, ils ont l'air d'être d'accord pour dire que c'est pas ça. Sinon, ça serait tellement évident qu'on n'aurait même pas besoin de prouver ça, mais... Mais ça me paraît un peu tiré par les cheveux, cette histoire de disparaître. Bon, est-ce que je me fais chiche kebab là-dessus ou sur le bois ? Quel des deux est le plus plausible ? Toute chose tenue. Ou alors, elle a fait ça sur... un vêtement et c'est comme dans Harry Potter, elle s'est cachée derrière. Je suis perplexe. De toute façon, c'est une chance sur deux parce que tous les autres, à mon avis, ne nous servent à rien. Bon, bah, on va... Oups, c'était pas ça. On va essayer le fait de disparaître. Ce sceptre est constitué de deux gemmes magiques. La première, Flammaris, et une autre, comme mentionné plus tôt, le sort Noscuris. Noscuris ? Impossible ! Eh ouais. Il y avait bien une sorcière sur le lieu du crime. Une sorcière complètement invisible. Bingo ! Tout ça grâce au sort Noscuris. Quelle est donc cette folie ? Il y en a là-dedans. Silence ! J'exige le silence dans cette cour. Monsieur Wright, que veut dire tout ceci ? Je pensais que la sorcière avait utilisé le sort Noscuris pour faire disparaître le sceptre. Et d'après la description du sort Noscuris, dans le grimoire, hein, je fais mon ordre, il fait disparaître toute chose tenue. Et voilà. En d'autres termes, si la sorcière... C'est UK4. Ouais, j'espère que t'as passé un bon moment au théâtre. T'as dû faire vite hein, pour arriver là. En d'autres termes, si la sorcière tenait le sceptre dans une main, en touchant son corps avec l'autre... Je l'avais, hein. Ouf, c'était naze. Heureusement, il y avait une belle statue à l'entrée. Alors, elle aurait pu réussir à devenir invisible. Vous pensez que cela expliquerait pourquoi il y a un témoin de trop ici ? Bonjour, ça fait longtemps que j'ai pu parler. Tout à fait. Cela veut donc dire, mesdames et messieurs les témoins, que l'un d'entre vous ment et serait par conséquent la sorcière. C'est le scénario le plus probable.
Honorable témoin, vous allez devoir témoigner devant cette cour une dernière fois. Dites-nous exactement ce que vous avez vu, ainsi que ce que vous n'avez pas vu sur la scène du crime. Quelle absurdité! Le but de ce témoin n'est-il pas de condamner cette damoiselle-ci? Oui, nous ne sommes point des insorceleuses. TG. Pardon. Mesdames et messieurs les témoins, je vous prie de m'écouter. Il y a une sorcière dissimulée parmi vous. Ça y est, on fait planer le doute, là. Oh, c'est bon, ça! Ça fait penser à un bon jeu de société que j'ai là derrière. Même deux, trois. Ouais, plutôt dans les trois, monsieur. C'est la vérité. La demoiselle accusée ici n'est pas la sorcière que vous croyez. Le véritable adversaire dans cette salle se trouve parmi vous. Oh là là, mais j'ai tellement d'occasions de mettre le bruit d'Among Us. Tous les jeux avec un imposteur, oui, en effet. Un moche. Ça fait longtemps, ça. Qui est le véritable adversaire? Ça, c'est une référence à Attaque sur Titan. La vraie sorcière serait donc un de ces cinq témoins. Phoenix, t'es un peu lent au démarrage. Hein. Tant mieux. Il est grand temps de mettre un terme à ce procès. Allez. Ultime déposition, j'espère. Hein. Après, on revient aux énigmes. La position exacte ce soir? Aucune importance. Les flammes brûlent avec la même ardeur, n'est-ce pas? Non mais, revenez en arrière, c'est pas une déposition, ça! C'est de la merde! Qu'est-ce qu'on fait de ce truc? Non mais comment le juge, il peut laisser passer ça? Ça n'a rien à voir. Hors sujet, mais complet. Cette flamme, je n'ai jamais rien vu de semblable. Ça m'a laissé sans voix. Si bien que je n'ai même pas vu crier. Ayant entendu un minuscule cri et temps de me retourner, les deux fripons retissaient déjà et j'ai accouru. Je sentis un vent, pourtant tout est fermé. Ça, c'est bizarre. Je reviens. Bon, moi, ça devait être un fantôme qui m'a soufflé dessus. Oui, c'est mon 20 pièces, là. Il y a Roger, le valet, qui a laissé encore la fenêtre ouverte dans la suite numéro 7. Ça fait trois fois, là, j'en peux plus. Hein. Mais bon, on n'est pas aux États-Unis, j'ai pas le droit de le virer comme ça. C'est fâcheux. Alors, j'ai entendu l'incantation et sitôt les flammes ont émergé. J'en suis sûr, nous n'étions que quatre. Ah bah, au moins une témoin qui sert à quelque chose, quoi. Comme je le disais, il y avait trois autres personnes, dont cet homme qui déambulait tel un veau nouveau-né. Un veau nouveau-né. Oh, joli, ça. Un acte des plus odieux, ma foi. La confusion des témoins n'est, dans ce cas, pas étonnante. Une sorcière parmi les témoins, c'est une allégation plus qu'improbable. Ça m'étonnerait, mon cher Garnett. La chose la plus improbable, c'est que l'on accuse Aria d'être une sorcière. Le coupable est plutôt un de ses témoins. J'arriverai forcément à démasquer la vraie sorcière en m'aidant de ses témoignages. Et ça rejoint un petit peu les énigmes de Layton. Dans le sens, moi j'ai vu un tel, et un tel a vu un tel, et blablabla, et en regroupant tout ça, tu vois qu'il y en a un qui ment. Et ça, c'est un classique des énigmes de Layton. Avec leur ABCD qui disent chacun un truc et l'un d'eux ment et hontement. De façon éhontée. Bref. Si je vous suis, vous n'êtes pas sûr des événements de ce soir. Vous, l'avocat, j'ai combattu avec une ardeur vigue. Une vigante. Ouh là là. Ok. Vous, l'avocat, j'ai combattu avec une vigueur ardente ce soir. N'amenuisez pas mes efforts. D'accord. Un chevalier ne fuit pas la simple vue d'un brasier, jamais.
Personne n'a parlé de s'enfuir. À vigueur ardente ou ardeur vigoureuse. C'est infâme ces mots-là. Hein. Mon cerveau qui fond. Pour être complètement honnête avec vous, la colonne de feu illuminait la zone en s'élevant dans les airs. Et la sorcière se trouvait juste à côté. Sans compter les deux fripons, il y avait 3 personnes sur la scène du crime. Nani ? Ok, apparemment, il y a quelqu'un qui a quelque chose à redire là-dessus, hein. Excusez-moi, Mademoiselle Mortem. Que voulez-vous ? Vous semblez troublé par le témoignage que nous venons d'entendre. C'est le nombre de personnes sur la scène du crime. Avez-vous déjà joué au jeu des pétales de Marguerite ? Le jeu des pétales de Marguerite. Un témoin, 2 témoins, 3 témoins, 4 témoins, 5 témoins, 6 témoins. Quel jeu adorable, comme venu tout droit d'un conte de fées. Vous êtes sérieux, monsieur le juge ? La belle affaire, mademoiselle Mortem, veuillez poursuivre votre témoignage. Mais elle a servi à rien en fait, là. C'était inutile. Ça a dû être terrifiant, non ? Oui, ce genre de choses n'arrive que dans les livres. Quand la colonne de feu a jailli, j'ai senti ma gorge se serrer. J'avais tellement de mal à respirer que même crier me semblait impossible. Et pour cause. Après tout, les flammes ont engouffré les environs en un rien de temps. Excusez-moi, c'est pour cela que j'ai du mal à me souvenir. Vous ne vous souvenez pas du nombre de personnes sur la scène du crime ? N'ayez crainte, demoiselle. C'est compréhensible. C'est aussi pour cela que je suis arrivé un peu après les autres sur la scène du crime. Ouais, bien sûr. Hein. À mon avis, c'est elle. Hein. Un minuscule cri. Alors là, ça va plus. Peut-être que quand prononcer l'incantation du sort, ma mort flanche un peu sur ce détail. J'étais effrayé. Jamais je m'étais levé aussi vite toute ma vie. Il fallait avoir une crise cardiaque, je suis sûr. Levé ? C'est exact. Je levais des hallebardes et je me suis dit qu'une petite sieste sous un arbre ne ferait pas de mal. Passez vite. Tout va bien, monsieur Philocrate ? Que voulez-vous cette fois, Genou ? Est-ce que le témoignage que vous venez d'entendre vous rappelle quelque chose ? Ah oui. Est-ce qu'une sieste sous les arbres me dit quelque chose ? C'est bien ça. Une sieste ? Il m'arrive souvent de faire des rêves plus que farfelus sous cet arbre. Par contre, je n'ai jamais pu faire de sieste ce soir. Ce ruste a profané mon sanctuaire dédié au sommeil. Croire que ce contre-interrogatoire sert de débat pour choisir le meilleur endroit pour faire une sieste. Espérons que cette dispute ne finisse pas en pugilat. Madame Lagneau, veuillez poursuivre votre témoignage. Je sens comme un pattern là. Hein. Chaque fois, je tombe dans le panneau et puis on m'apprend rien du tout. Un instant. Je n'apprécie guère. Vous en êtes complètement sûr ? Je pense que oui, mais en y réfléchissant un peu. Qui peut être entièrement sûr de quoi que ce soit ? J'avoue que ça me fait peur de vous entendre dire ça en plein milieu d'un contre-interrogatoire. Ce que ce témoin veut dire, c'est qu'il est impossible de savoir pour sûr s'il y avait 4 ou 5 témoins. Et quoi qu'il en soit, Biquette et moi avions quelque chose de très important à faire. Ah, vous parlez du... Eh oui, le lait. Si ses cendres étaient tombées dans la seille, c'eût été la plus grande tragédie pour notre ère. Ok, là c'est le poivreau qui a quelque chose à dire. Passez vite. Je vous arrête un instant, monsieur. Monsieur! Mais c'est un ton bleu! Il va bien de dire ça.
Oh, il est horrible, Anonyme. Au début, j'arrivais à lui faire une voix bien casse-couille, et après, j'ai totalement oublié comment j'ai fait ça. Ça m'énerve. Je suis tilté, Boubou, Bébou. Vous vous souvenez de quelque chose par rapport au témoignage de Madame Lagneau? Non, pas vraiment. Pas important. Je voulais juste dire que cette vieille dame manque comme elle respire. Hein? Je parle du lait, damoiseau, le lait. Comprends quand tu l'essaieras, il n'y a pas de quoi y écrire un manuscrit dessus. Qu'est-ce que vous racontez, espèce de gueux? Un ruche de votre genre n'est point digne de mon lait. Un voyou comme vous s'accommode bien mieux du breuvage inavouable qui se trouve au fond de cette chope. Cette chope s'enfonce, c'est pareil. Et oh, c'est pas un contre-interrogatoire sur les produits laitiers. Espérons que cette dispute ne vise pas. Ok, on recycle les lignes. Mm-hmm, je vois. Et alors, papy, du coup? Bon, il ne reste plus que lui. Donc, avec vous y compris, il y avait un total de 4 personnes sur la scène du crime, c'est exact. C'est ce que le destin nous a révélé. En fait, qu'est-ce que vous voulez dire par déambuler comme un veau nouveau-né? Ah oui, il s'agissait d'un homme aussi ivre que tapageur. C'était assez drôle à voir. Il doit faire référence à ce témoin collé à sa chope en permanence. Ils veulent pas savoir quel liquide dégoûtant il sirote. Lorsque les flammes se sont élevées jusqu'au siège, je me suis dit, par ma barbe, quelle est donc cette vision? Toutefois, je ne me suis pas approché pour vérifier, le choc m'a, pour ainsi dire, coupé les jambes. C'est à ce moment-là que cet homme, au pas chancelant, est arrivé en toute hâte. Ok. Je vous arrête un instant, monsieur. Monsieur! On est pareil, hein, blablabla. Monsieur l'apprenti boulanger, la prochaine fois, réfléchissez avant d'attaquer un témoin de la sorte. Ce type a même réussi à faire peur à Garnett. Bien, monsieur. C'est quoi cette musique? Monsieur, concernant le témoignage de Monsieur Philocrate, il a affirmé vous avoir vu déambuler. Où est-ce qu'il voulait... Pardon, qu'est-ce qu'il voulait... Qu'est-ce qu'il voulait dire? Oh, la vache, mais je suis à l'ouest. Je vais remettre le pendule à l'heure. Jamais déambulé que ce soit. J'appellerais plutôt ça titubé avec classe. Un adulte responsable a autre chose à faire que de vagabonder au beau milieu de la nuit. Et toi, je déambule pas comme un ballon, je suis plus raffiné que ça. Peu importe, j'ai trébuché sur une grosse pierre. Je veux dire, c'est dur de voir ce qu'il y a devant soi quand on fuit à toute vitesse, non? Mais bref, j'ai pratiquement risqué ma vie pour prouver qu'il faut regarder où on met les pieds. Quel courage, mais personne lui a donné de médaille. Votre honneur, il n'y a aucun intérêt pour suivre ce témoignage, c'est une perte de temps pour tout le monde. Monsieur Wright, où voulez-vous venir? Est-ce que je peux trouver une piste qui vaut la peine d'être suivie? Qu'est-ce que je dois faire? Bah oui, bien sûr. Le témoin prétend avoir trébuché sur une grosse pierre. Monsieur, j'ai une question à vous poser. Pourquoi ne regardiez-vous pas devant vous? Pour être honnête, pas une très bonne raison. Mais quelque chose a attiré mon attention. C'est sorti de nulle part, j'ai entendu quelqu'un crier mon nom. Vous avez entendu votre nom? Ouais, je suis retourné, ça vous étonne. Quand une femme vous appelle, vous faites attention à elle, non? Et il doit s'appeler Flamme Harris, peut-être. Donc vous avez... quelqu'un derrière vous a crié, hey, « Hé, vous !» C'est bien ça. Mon nom, quelqu'un crée mon nom, je te dis. Je connaissais beaucoup de types qui s'appellent hey, « Et vous ?» Je m'appelle Oscar. Ah bah non, du coup. Ah bah si. Oscaris ou un truc comme ça. Je m'appelle Oscar, t'as juste pas l'oublié, bleuet. Cet homme n'a vraiment pas l'air d'un Oscar. Il y a un genre de visage qui s'oublie facilement, n'est-ce pas, professeur?
Pas très sympa ce commentaire. Honorable témoin, l'un d'entre vous connaissait-il le nom de cette personne avant aujourd'hui ? Non, j'ai toujours appelé monsieur. Le patronyme d'un chevalier a autant de valeur que l'épée qu'il porte. Ça ne répond pas à la question. C'est bien la première fois que j'entends un tel nom. Il n'a point le faciès d'un Oscar. Je ne connais pas non plus son nom, ce n'est qu'un mon type d'homme. Bien, apparemment personne ne connaissait le nom de ce témoin. Vous savez, ça ne me surprend pas non plus. Et plus sérieusement, j'ai très nettement entendu quelqu'un prononcer mon nom. Tu sais, quand on attend mon âge, on commence à se demander quand on trouvera sa moitié. Je me disais que cette voix pouvait être celle de ma dulcinée. Voilà, voilà. Votre honneur, qualifier le témoignage de M. Oscar d'insignifiant me semble prématuré. Je demande que l'histoire, certes cocasse, de M. Oscar soit ajoutée à son témoignage. Je consens à votre requête. Monsieur Oscar, veuillez modifier votre témoignage et ne souligner que les points importants de votre histoire. Ah, je vous jure, entendu mon nom et je me suis retourné pour ce qui était. Très bien, c'est là où on va le coincer, le coquin. Oups. Voilà. Allez hop, je sauvegarde quand même au cas où, hein, parce qu'il ne me reste plus qu'un seul bouclier, et puis sinon c'est la brochette. Mais. Normalement, on le tient là. Comme un poisson là qui fait. C'est bon, c'est gagné. Ah bah non. Ah bah merde. Bon, on va dire il est bourré, donc c'est quasiment pareil. Oh oh. Oups. Allez. Procès réglé, on passe à la suite. On peut faire les énigmes maintenant, ça c'est cool. Comment ça, vous et vos congénères? Ah non, c'est pas moi, c'est elle. Oh, on s'en fout. Allez, salut. Bon ben, on charge les données sauvegardes, je vais pas tout recommencer, vous êtes fous. Et puis quoi encore? Non, non. Oui, et on l'a déjà vu ça, hein. Allez, hop. Par contre, ce que je comprends pas, c'est... Qu'est-ce que... Mais... Ah, voilà, ok. Bah oui, Oscar Noscuri, c'est pas... C'est quasiment pareil, oh là là. Sérieux, c'est pas ça? Ça, c'est honteux. Je vais attaquer là-dessus, alors. Excusez-moi, monsieur, je veux dire... Oscar. Oh, t'en fais pas, bleu, monsieur, t'as moi juste pareil. Vous avez déclaré avoir entendu quelqu'un crier votre nom derrière vous. Vous en êtes entièrement sûr? Ouais, bah, je crois au fou, ça ressemblait à mon nom. Hein. Je vois pas si ça aurait pu être d'autre. Je ne serais pas soulu si j'avais pas entendu mon nom. Hein. Malgré tout, c'est peut-être juste mon imagination, non? En tout cas, la voix que j'ai ouïe venait de quelque part derrière moi. De derrière lui. Et qui est-ce qu'il y avait derrière lui? Quelque chose vous tracasse, monsieur Wright. La mémoire de cet Oscar est plus qu'incertaine, mais s'il lit la vérité, alors il y a un détail important à déceler dans son témoignage. Un détail important, vous dites. Vous pensez à... une contradiction. Ouais. Enfin, je crois. Pourtant, je sais pas. Il y a quelque chose d'étrange dans ce témoignage. Je n'ai vu aucune preuve utilisable dans le dossier de l'affaire. Une contradiction qui ne peut pas être étayée à l'aide d'une preuve. Objection. Qu'est-ce qu'il vient faire, lui? Votre honneur. Pardon. Votre honneur, cet angle d'interrogation est une perte de temps absolue. Miss Wright, je vous avertis, à partir de maintenant, toute question inutile vous vaudra une sanction conséquente. Si je réponds n'importe quoi, c'est on est fini derrière ce procès. Si vous souhaitez trouver une faille dans ce témoignage, j'aurais besoin de preuves déterminantes pour confirmer vos dires. Il n'y a pas une seule preuve cruciale dans ce dossier de l'affaire. Je fais quoi maintenant?
Monsieur Wright. Monsieur Layton. J'ai une idée. Je pense que nous disposons d'une arme qui ne nécessite pas l'utilisation d'une preuve. Oh là là. Compliqué. Une nouvelle arme ? Nous vous attendons, Monsieur Wright. Donnez-nous votre réponse. Oui, votre honneur. La défense pense que ce témoignage... Non, il est valable. Bah, le fait qu'il pense avoir entendu son nom, c'est valable. Il n'y a pas de contradiction. Ça m'embête de dire ça, mais je parierais pas la vie d'Aria sur ce coup-là. La défense n'a plus de questions, votre honneur. Ah, vous possédez donc une once de bon sens. Je suis quelque peu déçu, Monsieur Wright. Hein? Monsieur Wright? Cette voix. Mais je ne veux pas l'abandonner. Je dis que le témoignage est valable parce qu'à l'intérieur, justement, il y a un oscuris. C'est pas une contradiction, hein, que le mec il a dit qu'il pense avoir entendu son nom. Ça n'a pas de sens. Aria, mon destin est entre vos mains. Vous et le professeur Layton. C'est pour ça que vous devez continuer, s'il vous plaît. Ne m'abandonnez pas. Mais ça faisait partie du plan. Tu casses tout, Aria. Tu casses tout. Oui, je peux pas laisser con... Pardon, je peux pas laisser tomber. Votre honneur. La défense pense qu'il y a une énorme contradiction. Hein. C'était une blague avant. Objection. C'est quoi ces faux choix? Comment? Vous êtes plus bête que je ne le pensais, monsieur l'apprenti boulanger. Vous ne possédez même pas une once de bon sens, cher collègue. Objection. Eh, c'est de mieux en mieux. Collègue, maintenant. Au lieu de monsieur boulanger. Permettez-moi de vous interrompre un instant, inquisiteur Garnett. Je vous le demande, à quoi sert le bon sens dans un monde qui l'occulte complètement? Sauf votre respect, je vous invite à renoncer à ce mode de pensée. Que voulez-vous dire? Je ne peux que vous remercier de me faire confiance de la sorte, Monsieur Wright. Concentrons-nous sur votre dernière arme lors de ce contre-interrogatoire. Pardon, dernière arme? Souvenez-vous, ce procès nous a montré une précieuse nouvelle technique. Vous parlez de l'interrogatoire, n'est-ce pas, professeur? Tout à fait, Luc. Chaque témoin présent à ce procès a donné sa version des faits. Par conséquent, lors de chaque témoignage, les autres témoins écoutaient les déclarations de l'orateur. Une idée me vient à l'esprit. En plus de les prendre dépourvus et de les interroger sur les témoignages des autres, vous disposez d'une autre option. Il y a un autre avantage à effectuer un contre-interrogatoire de 5 personnes. Mais oui, bien sûr. En effet, les contradictions, dès lors que la déposition d'un témoin diffère de celle d'un autre, cela démontre d'une contradiction, n'est-ce pas? Des témoignages qui se contredisent, jamais je n'y aurais pensé avant aujourd'hui. C'en est assez, monsieur l'apprenti boulanger. Êtes-vous enfin disposé à présenter à cette cour une preuve qui expose la contradiction de ce témoignage? La déposition du témoin ne contredit aucune preuve. Elle contredit un autre témoignage. De quoi parlez-vous? C'est le moment, monsieur Wright. Jetez un coup d'œil à l'écran tactile. Vous y verrez la déposition du témoin en question, mais aussi celle des autres témoins. Soyez vigilant dans vos recherches et vous trouverez forcément le témoignage qui contient une contradiction. D'accord, c'est le moment de réessayer, Nick. Et cette fois, t'avises pas d'oublier le dossier de l'affaire, si possible. Oh, Maya, on la voit vraiment pas assez souvent. Notre position exacte ce soir, aucune importance, les flammes brûlent avec la même ardeur, n'est-ce pas? On s'en fout. Je n'ai jamais rien eu, ça m'a laissé sans voix. Si bien même que je n'ai pas pu crier. J'ai entendu l'incantation et sitôt les flammes ont émergé. Je suis sûr que nous n'étions que quatre.
Comme je le disais, il y avait trois autres personnes, dont cet homme qui déambulait tel un veau nouveau-né. Ouais. Bon. Alors apparemment, ça contredit quelqu'un d'autre. Les flammes brûlent avec la même ardeur. Pardon, c'est juste que je suis tellement concentré là. Donc ça ne veut rien dire, ça ne sert à rien. Ça m'a laissé sans voix. Mais j'ai un biais aussi, un biais parce que moi je pense que c'est elle, donc forcément. J'ai entendu l'incantation et sitôt les flammes ont émergé. Attends, il y a quelque chose de louche. Il s'est précipité dans cette direction, c'est-à-dire que le feu était déjà là. Mais si, il s'est précipité alors que le feu était déjà là, c'est-à-dire que la dame était déjà invisible. Il y a quelque chose de bizarre là. Ah, Oscuris annule l'effet. Donc c'est ça qu'il a entendu. Il n'a pas entendu Oscuris, il a entendu Oscuris. Mais... il y a une lettre de différence. C'est pareil. Ok, donc c'est en mode je redeviens visible. Soit. Donc ça veut dire que il y avait déjà le feu et il a entendu Oscuris. Donc il. Quelqu'un s'est rendu visible ensuite, d'accord. Il y avait trop de personnes dont cet homme, je ne contredis pas spécialement. J'entends une incantation et si toi et Flamme ont émergé, je suis sûr qu'ils n'étions que 4. C'est vrai parce que c'est ensuite qu'il y en a eu 5. Et lui s'en fout, donc à mon avis c'est elle. Objection. Oh, balèze. La personne qui contredit les déclarations de ce témoin n'est autre que vous, Mademoiselle Mortem. C'est moi que vous pointez du doigt, tous les deux ? Pendant l'incident, cet homme a entendu votre voix appeler son nom. Ah oui, c'était une femme en plus. Cette voix, c'était la vôtre, Mademoiselle Mortem. Ça ne pouvait être que la vôtre. Et dans votre témoignage, vous avez dit avoir été si choqué que vous ne pouviez même pas parler. C'est une contradiction, on ne peut plus clair. Objection. Que signifie tout cela, monsieur ? Pouvez-vous honnêtement dire que vous faites confiance à cet imposteur et à son témoignage mensonger ? Objection. La personnalité de cet homme n'est pas le sujet. Le fait est que son témoignage est tout à fait valable. Pendant que les flammes montaient au ciel, il a trébuché en se retournant pour regarder qui prononçait son nom. Il a entendu une voix féminine appeler son nom. Ces éléments sont suffisants pour corroborer son témoignage. Objection. Si les choses se sont déroulées de la sorte, alors expliquez-moi pourquoi vous accusez ce témoin en particulier. C'est vrai ça. Pourquoi moi? J'ai une toute petite voix. Les gens m'entendent à peine lorsque je vends mes fleurs. Et en plus, il y avait une autre femme présente, non? Mais où veux-tu en venir, jeune bachelette? Penses-tu sincèrement qu'une femme de mon âge va dormir tard le soir en compagnie douteuse? De plus, je ne connaissais même pas le nom de cette maroufle. Comment aurais-je pu l'appeler? La balle perdue. C'est excellent. Écoutez, même si je ne connaissais pas son nom, même si je connaissais son nom, pensez vraiment qu'une femme qui se respecte voudrait lui. Ce qu'il prend. Gendarme, je suis là, vous savez. Bien, comme je disais, la seule personne placée derrière lui et susceptible d'être entendue, c'était vous, Mademoiselle Mortem. La défense souhaite présenter une preuve qui corrobore cette allégation. Et
Vous osez émettre une telle accusation envers cette gendarme? Mais par ma barbe, c'est du jamais vu! Je préfère vous prévenir que si votre accusation ne tient pas la route, vous verrez de quel bois je me chauffe. Montrez-nous donc la preuve qui démontre que cette jeune demoiselle a bien appelé cet homme au moment précis du crime. Il y a une bière infinie, donc il n'y a pas que du malheur, en effet. Donc c'est peut-être là que je vais montrer mon petit sort. Pourquoi il y a encore de la musique ? Désolé de vous contredire, mais je doute que ça soit la preuve adéquate. Bon sang, je suis allé trop vite. Je vous en prie, Monsieur Wright, vous êtes arrivé jusque-là, ce n'est plus le moment de vous tromper. Monsieur Wright, blablabla. Lui, j'aimerais bien le supprimer, là. Tu fais un truc à la soviétique, et puis il n'y a plus. Réfléchissez, nous étions sur la même longueur d'onde jusque-là. Mais c'est le cas! Oscuris! Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Ça fait deux fois que j'essaie de vous le donner. Aïe. Oh, j'ai même pas sauvegardé. Oh non. Bon allez, on speedrun, hein. Pas que ça à faire. Alors, on est arrêté à où? Un instant. Bla 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 bla. Bla 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 bla. On s'en fout. Oui oui, allez, objection. Raconte ce que tu veux. Je m'en fous. C'était moi, je montre une contradiction, bien sûr, hein, je le savais. Allez. Hop. Moi, j'avais trop en tête que c'était son témoignage qui est une contradiction avec la vérité, mais non, c'est en contradiction avec un autre témoignage. Mais il fallait savoir ça aussi. Hein. Oui, allez, merci Herschel. Hop, 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 on pointe du doigt, c'est parti. Allez, on y est presque. Courage. Ah non, on n'y est pas du tout, en fait. Eh oui, sa force brute avec une save, hein, comme ça, et on fait de nouveau 20 clics. Non, 200 clics, pardon. Objection. Mais rien que pour voir ça, ça vaut le coup, quand même. Quelle classe. Mazette, quelle classe. C'est beau. Objection. Allez, j'en profite pour sauvegarder maintenant. Juste au moment où lui, il prend méga ch... Oh. C'était une erreur. Voilà. Allez, le bougre. Objection. C'est le moment où tu vas prendre... Bla bla bla. Objection. Je fais des heures sup, là, c'est pas possible. J'ai juste envie de finir ce procès, allez, s'il vous plaît. Bah, si c'est pas le grimoire, du coup, je ne sais pas, moi. Non. Je sais pas, il y a peut-être une fleur là-dessus. Non, il y a pas de fleur. Ça aurait été trop beau.
Et... Je vois pas en quoi les lunettes auraient un intérêt. Ah, j'imagine que c'est ça pour dire que c'était porté derrière, quoi. Regardez ceci et vous aurez votre réponse. C'est le dessin de la scène de crime. Vous pouvez y voir l'emplacement de chaque témoin au moment du crime. La seule personne qu'il aurait pu entendre derrière lui n'est d'autre que Mademoiselle Mortem. Objection. Écoutez-moi attentivement, monsieur l'apprenti boulanger, car c'est la dernière fois que je vous répète ceci. Un témoin fourbe ne peut rapporter que des fourberies, ainsi va le monde. Allez, chais, c'est mérité. Avez-vous au moins vu le visage de cette jeune fleuriste? Mais là, vous le dites, j'étais porteur à ce moment-là, alors peut-être que je n'ai pas vu son visage. Mais vous avez entendu sa voix, en tout cas. Laisse-moi réfléchir, sa voix est sortie de nulle part, c'était une voix assez aiguë. Par contre, j'aurais du mal à dire si c'était la voix de cette donjelle ou pas. Et voilà, monsieur l'apprenti boulanger, quel dommage. Mais laissez-moi finir ce procès. Votre honneur, il est évident que les arguments de la défense sont sans valeur aucune, et une perte de temps colossale. Je requiers une sanction adaptée à la mesure de leur blasphème. J'en conviens, monsieur l'inquisiteur. Que la défense se prépare. Qu'est-ce que c'est que ce ricanement? Pardonnez-moi, monsieur votre honneur. On dirait que vous avez pris une décision, donc tout ça n'a plus rien à voir avec moi. N'est-ce pas, inquisiteur Garnett? Qu'insinuez-vous donc? Je dis juste qu'il est temps pour moi d'arrêter les témoignages et de retourner chouchouter mes fleurs. Regardez, toutes les fleurs qui me restent. À cette vitesse-là, ça va me prendre jusqu'au lever du jour pour tout vendre. À moins que les gendarmes et doux messieurs ici présents daignent acheter tout mon stock de fleurs. Oh, mais c'est hors de question. Enfin, je veux dire... Eh bien, tout est réglé. Si vous voulez bien m'excuser... Désolé pour l'interruption. J'ai l'impression de revoir Dahlia, c'est bizarre ça. Je comprends, la croix accepte de libérer Majel Mortem de sa responsabilité de témoin dans cette affaire. Mais, on a dit qu'il y avait un intrus parmi eux. Et le vieux, il va dire tu peux te barrer, on s'en fout. N'importe où. Tiens donc, Mademoiselle Mortem. Vous dévoilez enfin votre vrai visage. Hein? Vous dites? Eh ben... Attends, je vais te faire ça. 4. Tic 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 tic. Tic 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 tac. Je mets ça... ici. Voilà. Et... je mets ça... Pop, 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 pop. Ici. Bah. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait de la connerie ou. Bah non, j'ai pas fait de la connerie. Enfin. Si? Peut-être fait de la connerie. Mais. Je veux juste l'image, moi. Pourquoi vous me montrez pas l'image? C'est ouf, j'arrive plus. Oh, quel bordel, mais quel bordel. Mais WebP, mais c'est du foutage de gueule. Enfin, arrêtez là. Non mais on... Non mais WebP encore, mais je crise. Ça ne va plus. Ça va prendre du temps, hein, mais ça va valoir le coup, t'inquiète. Alors, je fais ça... Il se passe rien. Ah si, ça y est. Je fais ça.
J'ai perdu... voilà, c'est bon, j'ai retrouvé. Clac. Oh, quelle horreur. Surtout pas. Voilà, voilà. Alors, normalement, c'est attente estimée 30 secondes. Et encore là, je suis généreux. Ok. Voilà, parfait. Bingo. Du coup, je disais... mes chers amis, ce sera tout pour moi. Un instant. Attendez, vous ne pouvez pas vous en aller. Ce contre-interrogatoire est loin d'être terminé. Vous êtes drôle, vous. Vous êtes le seul à vouloir continuer, tandis que tout le reste de la salle pense le contraire. N'ai-je pas raison, Inquisiteur Garnett ? L'Inquisition insiste sur le fait que la véritable sorcière est bien accusée, Ariane Novella. Cette demoiselle n'est rien de plus qu'un témoin. Et dans l'ordre des choses, cette cour ne peut le garder contre son gré. Ça craint. S'il laisse partir, c'en est fini, Daria. Nick ! Tu penses qu'elle pourrait être... La véritable sorcière ? La véritable sorcière. Vous êtes du genre à lancer des accusations gratuites à tout va, n'est-ce pas, monsieur le défenseur ? Oh putain, tout ça pour ça. Je vais vous le répéter, très lentement, une dernière fois, pour que même quelqu'un comme vous puissiez comprendre. Oh. Avant aujourd'hui, jamais je n'aurais entendu le nom de cette personne. Et même là, je pense l'avoir déjà oublié. Alors, comment est-ce que j'aurais pu l'appeler dans ces conditions ? Ne comprenez-vous donc rien ? Bien, alors voyons vous tous. Pensez à venir m'acheter des fleurs à l'occasion. Mais c'est interdit, ça ! Un instant... Mademoiselle Mortem, un moment, je vous prie. Vous voulez autre chose ? Vous n'avez pas l'air de réaliser ce que vous venez de révéler, malgré vous. De quoi parlez-vous ? Cet homme a déclaré avoir entendu son nom pendant l'incident. Mais vous ne connaissiez pas son nom à ce moment-là, n'est-ce pas ? En effet, cet ivrogne a une imagination débordante. Comme je l'ai déjà dit, j'ai déjà oublié son nom, bien qu'il l'ait mentionné tout à l'heure. Il y a quand même un tout petit problème, mademoiselle Mortem. Que disait la voix qu'il a entendue ce soir ? Hein ? Que voulez-vous dire ? Quelle évidence ! C'était manifestement un nom, n'est-ce pas ? Quel était ce nom déjà ? Votre honneur, vous pouvez vous adresser directement à moi. Moi, je tiens sur l'invisibilité ou quoi ? Vous insinuez que cet homme a entendu... Ce que cet homme a entendu n'était pas son nom, mais tout autre chose ? Exactement, Inquisiteur Garnett. Autre chose... Mais oui ! Ce que j'essaie de montrer depuis le début ! Ça ne peut être que ça. Là, c'est dans les animés quand il devient fou. C'est une hypothèse un peu tirée par les cheveux, mais c'est à explorer. Vous avez raison, Monsieur Wright. Je dirais même que cette hypothèse est la clé pour résoudre ce mystère. La défense consentait à présenter une preuve à la cour. C'est ridicule. J'exige que vous me laissiez partir sur le champ. Mademoiselle Mortem, j'ai l'impression que vous ne mesurez pas la gravité de votre situation. Personne ne quittera la salle d'audience tant que le moindre doute subsistera. Monsieur l'apprenti boulanger, vous pouvez présenter votre preuve. Révélez à cette cour ce que disait la voix entendue par cet homme. Ah là, je vais speedrun le truc, hein. Allez, hop. Excusez-moi, messire. Désolé, c'est quoi votre nom, au fait ? Votre nom ? Apparemment, personne ne s'en souvient. Et c'est Oscar ! Oscar ! Combien de fois je vais vous répéter ? Il
inutile de répéter sans cesse, malgré vos efforts, vous ne ressemblez point à un Oscar. Loin de moi l'idée de vous... de vouloir me répéter, mais je préfère les chevaliers aux ivrognes. Et compas, c'est pas la peine de frapper un amateur. Monsieur, ce n'est pas votre nom que vous avez entendu sur la scène du crime. Le fait est que votre nom sonne presque comme un autre nom connu dans tout, de tous dans cette salle. Un autre nom. La réponse est dans ce grimoire. Je parle du champ obscuré. Obscurlis ? Ce n'est pas son nom qu'il a entendu à ce moment-là. Il s'agissait de l'incantation magique de la sorcière. Qu'est-ce que c'est que... Mademoiselle Mortem, vous avez oublié qu'il y a quelques minutes, vous avez déclaré ne pas connaître le nom de cet homme. Oh. Monsieur l'apprenti boulanger, je n'ose comprendre. Vous prétendez que le sang Oscuris... Que le Oscuris que cet homme a entendu a été prononcé par ce jeune dame et qu'il s'agissait en fait d'une incantation magique plus que de son nom. La défense propose l'hypothèse suivante. Le vrai crime, ou plutôt la vraie sorcière, n'est pas l'accusé, mademoiselle Ariane Vella. C'est le témoin qu'Oscar a entendu pendant l'incantation. Mademoiselle Mortem, vous êtes la sorcière. Vous avez fait usage de sorcellerie pour disparaître de la scène du crime, et vous avez essayé d'incriminer mademoiselle Novella. Non ! Qu'est-ce qui vient de se passer ? Stonzel, Starian n'est donc point une sorcière. Incroyable ! Je n'avais jamais rien entendu de semblable. L'inquisiteur Garnett... Ils ont vraiment réussi à venir à bout de l'inquisiteur Garnett ! Objection ! Non, quand même pas. Une remarquable démonstration, monsieur l'apprenti boulanger. Enfin, vous avez réussi à aiguiser votre lame. Malheureusement, elle commence déjà à s'émousser. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je parle d'une contradiction, bien sûr. Oh, vous me saoulez, là. Si dans 4 minutes, on n'est pas fini, je fais une pause, là. Il a bien des contradictions. Votre honneur, l'Inquisition aimerait mettre les choses au clair concernant les événements de ce soir. Très bien, Inquisiteur Garnett. Monsieur l'apprenti boulanger, voici votre vision des faits. Au moment du crime, les deux brigands ont encerclé l'accusé. Et afin de faire passer l'accusé Ariane Vella pour une sorcière, mademoiselle Mortem a jeté le sang en Oscuris et a disparu. Elle s'est ensuite approchée des victimes. Et c'est là qu'elle a lancé le sort Flammaris. Tout cela nous amène aux événements dont les personnes ici présentes ont été témoins. Votre exposé me semble valable. Mais un problème se pose, que s'est-il passé ensuite ? Il y a une contradiction dans votre description des faits et des gestes de mademoiselle Mortem. Une contradiction dans ma plaidoirie ? Laissez-moi poursuivre. Les témoins ont déclaré que chacun d'entre eux s'est dirigé vers la scène du crime. C'est alors que Rose la sorcière, toujours invisible, a avancé jusqu'à cet endroit précis. Une fois à l'endroit voulu, elle a jeté le sang Oscuris et réapparu, s'est jointe aux autres témoins. Voilà tout. Est-ce une interprétation fidèle, monsieur l'apprenti boulanger ? Tout à fait. Donc, monsieur Oscar l'a entendu prononcer ce qu'il croyait être son nom. Dans ce cas, je n'ai qu'une seule question à vous poser. Pourquoi une sorcière ferait une telle chose ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Imaginez que mademoiselle Mortem soit une sorcière. Elle ne serait donc pas donnée tout seule pour apparaître quand elle l'a fait. Il aurait été bien plus malin de rester invisible et de fuir la scène du crime. Et je confirme, c'est ce que j'aurais fait si j'étais une sorcière. Au vu des circonstances, elle n'avait aucun intérêt à prononcer cette incantation.
Vous l'aurez compris. Cette jeune fleuriste, Mlle Mortem, ne peut être une sorcière. Quoi ? Que s'est-il passé ? Cette demoiselle, cette rose n'est donc point une sorcière. L'inquisiteur Garnett vient de retourner la situation. J'en attendais pas à moins de l'épée de justice de Labyrinthia. Ouais. Eh oui, vous avez bien entendu ce que l'inquisiteur vient de dire. Moi, une sorcière? En voilà une idée absurde. On me l'avait jamais faite. Bien sûr. C'est pas bon, elle a réussi à se rattraper. Oh, on était si près du but. J'arrive pas à croire, cet inquisiteur Garnett. Est-il aveugle? Regardez-la un peu. C'est la sorcière, c'est évident. Souvenez-vous, Monsieur Wright, tout vient à point, qui sait attendre. Et c'est exact, Monsieur Layton, on va s'arrêter là, j'en ai ras-le-bol. Moi, j'ai envie de dormir. Je suis fatigué, chef, j'en peux plus. Du coup, je vous souhaite la bonne soirée, la bonne nuit. Je re-sauvegarde pour être sûr. Et en espérant que la semaine prochaine, on arrive enfin à faire en sorte que Dahlia version Labyrinthia tombe, parce que j'aimerais bien retourner aux énigmes quand même à un moment. Mais c'était sympa, c'était plein de volte-face. Cool. Demain, Baldur's Gate, peut-être, probablement. Et dimanche, je ne sais pas, on verra. Voilà, ça paraît être un bon plan, hein. Sur ce, la bonne nuit, bonne soirée, bonne nuit, reposez-vous bien, bon courage pour demain, blablabla, et à demain, à toutes.